Donc, cette première table ronde va porter sur jeunesse, emploi, statut social et autonomie. Et je laisse Nassira El-Mouadem présenter les invités et présenter le thème tout d'abord. Nassira est journaliste et fait partie du Bondi Blog. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Camille, tout à l'heure, a fait référence à la Une du Monde et à cette note de France Stratégie, donc cette institution qui est placée auprès du Premier ministre, qui a fait donc cette note sur les jeunes oubliés des politiques publiques. Et bien, cette une, elle est là. Et donc, on est vraiment en plein dans le débat avec ce papier en page 7 du Monde. Pour ceux qui sont intéressés à le lire, je l'ai photocopié. Donc, ceux qui voudront avoir un exemplaire tout à l'heure, vous êtes les bienvenus avec ce papier. Donc, les politiques publiques favorisent les plus vieux. On est vraiment en plein dedans, ou alors le monde est en plein dedans, dans le débat qui nous réunit tous aujourd'hui. Le débat autour des jeunes et de leur place dans la société française. Et avec un premier paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de jeunes, on n'a jamais autant parlé de jeunisme, d'entretien des corps, de performance de jeunes comme norme sociale. La société française, comme d'autres sociétés occidentales, adore être jeune et faire jeune. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'intégrer les plus jeunes, de leur permettre de faire leur place, les immobilismes, les difficultés, les entraves, même, diront certains, sont nombreux et de tout ordre, vous les connaissez, sociales, économique, professionnel, alors pour n'en citer que quelques-uns, la difficulté d'accéder au logement, et à Paris on sait ce que c'est, les difficultés liées à la mobilité, les inégalités scolaires, le chômage, la précarité professionnelle, etc. Et elles sont encore nombreuses. Le deuxième paradoxe, c'est que dans une société où les individus et bien moins les groupes aujourd'hui sont au centre des relations sociales, via les réseaux sociaux notamment, c'est l'autonomie, la capacité de laisser les individus évoluer sans béquilles qui est entravé par toutes ces difficultés que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Alors, que propose la France? Que proposent les politiques publiques aux jeunesses? Parce qu'il y en a plusieurs. Quelles politiques publiques donc envers ces publics qui sont souvent précaires? Et Léa Lima nous en parlera tout à l'heure. Quel regard portent ces jeunes sur leur propre destin? Et c'est Aurélie Charron, journaliste, qui nous en dévoilera quelques indices également. Et puis, comment les jeunesses contournent les obstacles pour enfin s'accomplir? J'espère que Moussa Camara pourra nous donner quelques éléments s'il est parmi nous plus tard. Ce sont donc toutes ces questions auxquelles nous essaierons de répondre. Pour nourrir notre discussion, nos échanges aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'écouter les interventions de quatre jeunes, je peux le dire, plus ou moins jeunes donc, qui donc analysent les jeunesses, les observent ou agissent. Léa Lima, bonjour. Vous êtes maître de conférence au CNAM, le Conservatoire National des Arts et des Métiers. Vous êtes sociologue et chercheuse associée au Centre d'études et de l'emploi. Tom Chevalier, bonjour. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po et à terre à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et Aurélie Charron, vous êtes journaliste, bonjour, et productrice à France Culture. Voilà, chacun d'entre vous aura entre 12 et 15 minutes maximum, et j'aurai le chronomètre en main pour votre propos, avant un petit débat de 15 minutes que j'animerai d'une séance de questions-réponses avec le public. On va commencer par vous, Léa. Donc, vous êtes donc maître de conférence au CNAM, comme je vous le disais. Vous êtes aussi auteur de « Pauvres jeunes, une enquête au cœur de la politique sociale de la jeunesse » parue en 2016 aux éditions Champ Social. Et vous allez nous parler du traitement réservé par l'État aux jeunes pauvres. Et les questions que l'on se pose, c'est qui sont les jeunes pauvres en France? Qu'est-ce que ça veut dire d'être jeune pauvre? Combien représentent-ils au sein de la société française? Et puis aussi une question d'actualité, puisque vous nous direz peut-être si la garantie jeune qui est avancée par le gouvernement actuel comme un remède à la précarité des jeunes peut être réellement une solution efficace de long terme. On vous écoute. Oui, merci. Donc, merci d'avoir cité ce livre. Là, je profite de cette assemblée pour en faire une pub éhontée.
C'est moche. Parce qu'il vient, il vient de sortir. Et je pense que bon, il peut être assez pertinent dans le cadre des débats qui nous occupent aujourd'hui. Voilà, c'est un livre écrit à partir d'une enquête vraiment au cœur de la politique sociale de jeunesse sur un dispositif qui est vraiment représentatif et symbolique du traitement que l'État réserve aux jeunes pauvres aujourd'hui. Et je l'ai voulu accessible donc au plus grand nombre. Voilà, comme vous l'avez dit, mes recherches portent sur le traitement que l'État réserve aux jeunes pauvres, donc sur, on pourrait dire, la citoyenneté sociale, la construction sociale et historique de la citoyenneté sociale des jeunes et des jeunes précaires notamment. Alors, en introduction, je ferai une première remarque, c'est que, justement, les jeunes pauvres sont rarement repérés et considérés comme tels. C'est-à-dire que la question des ressources des jeunes, est souvent passée au second plan. Quand on regarde un peu les catégories qui sont utilisées pour décrire la jeunesse et ce que j'appelle les jeunes à problème, quoi, hein, dans les politiques publiques, on parle de jeunes sans qualification, de jeunes en difficulté, de jeunes des quartiers prioritaires. Aujourd'hui, on parle des NEET, c'est-à-dire des jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. N-E-E-T. N-E-E-T, exactement. Donc autant de catégories qui tendent à occulter finalement la question des ressources et à construire du coup aussi une citoyenneté sociale d'exception. Alors peut-être maintenant avec la note de France Stratégie, ça va changer la donne, mais bon, on verra bien. En fait, les jeunes défavorisés comme catégorie de l'action publique procèdent en général d'un découpage de la jeunesse. On parle de l'autre jeunesse qu'on oppose à la jeunesse estudiantine, à la jeunesse favorisée. Mais pas d'un découpage des pauvres entre jeunes et adultes pauvres. Et les jeunes défavorisés sont d'abord des jeunes avant d'être des pauvres. Et il y a une déconnexion importante au niveau de la législation sociale, bien sûr. J'ai pu parler, et je parle notamment dans mon livre « Discrimination d'âge dans les politiques sociales », comme l'a rappelé Camille Peny. Et aussi une déconnexion au niveau de l'expertise, des études et de la recherche sur... entre des études qui portent sur la vulnérabilité sociale des jeunes et des études qui portent sur la vulnérabilité sociale des adultes. Et dans le champ de l'insertion, on voit aussi que les jeunes à problème sont considérés comme des jeunes éloignés de l'emploi, qu'on qualifie par rapport à leur position sur le marché du travail. Et les politiques sociales de jeunesse sont des politiques d'accompagnement des transitions entre l'école et l'emploi. Donc, à nouveau, cette question des ressources et de la pauvreté, de la précarité à proprement parler, est peu mise en avant. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur cette pauvreté juvénile, mais très rapidement. Puis, en regardant aussi les facteurs de risque de cette pauvreté juvénile, qu'est-ce qui prédispose ou surexpose à la pauvreté au jeune âge. Ensuite, j'aborderai la question de la citoyenneté sociale, donc de l'État, du traitement de l'État de ces jeunes, et notamment à travers l'exemple de la garantie jeune, qui est un dispositif qui a été mis en avant récemment par le gouvernement. Donc voilà, je reviendrai sur ce dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on sait des ressources des jeunes et de la pauvreté juvénile ? Je vais aller très vite là-dessus. Aujourd'hui, on estime à peu près à 1,1 million le nombre de pauvres entre 18 et 29 ans. Et le nombre de pauvres de moins de 30 ans a augmenté de plus de 50% entre 2002 et 2012. Alors, je vous passe les problèmes de mesure et notamment à quel seuil on se situe, etc. Mais c'est pour vous donner une idée quand même de l'ampleur du phénomène. Et donc, en effet, comme le disait Camille, la pauvreté monétaire est deux fois plus fréquente dans cette tranche d'âge que parmi l'ensemble de la population. Donc, on a une pauvreté aujourd'hui qui est de plus en plus jeune, on pourrait dire. Alors, qui est jeune parce que pour les jeunes qui sont encore dans le foyer, ça peut être aussi la pauvreté des parents qui se répercute sur celle de leurs enfants. Puis les décohabitants ont aussi une pauvreté
propre du fait de la situation sur le marché du travail. Alors en effet, les facteurs de risque de la pauvreté, cette vulnérabilité juvénile, trouvent aujourd'hui une double origine. Elle est d'abord le produit d'un mécanisme de marché dans lequel la compétition s'est accrue et selon une ligne assez spécifique, et celle du diplôme, si on va très vite, on résume. Le taux de pauvreté monétaire des jeunes non diplômés est de 27% en 2009. Leur taux de pauvreté subjectif, c'est-à-dire l'appréciation qu'ils portent sur leur situation et un jugement d'une situation financière difficile, lui, est de 36%. Donc un tiers quand même des jeunes non diplômés disent que leur situation financière est difficile. Donc la question du diplôme, ce qui fait que les inégalités à l'école se répercutent directement sur le marché du travail, qui détermine les situations sociales de chaque jeune. Et comme l'école, comme l'a rappelé Camille, est aussi une institution motrice dans la reproduction sociale, que le système scolaire est très inégalitaire, les inégalités scolaires redoublent les inégalités dans l'origine sociale. Et donc on se retrouve au final avec des jeunes pauvres peu diplômés qui vivent dans des familles elles-mêmes pauvres et ou précaires, ou pire, qui vivent seuls, sans soutien familial, de familles qui sont elles-mêmes pauvres et précarisées. Une triple peine. Voilà. Alors ça, c'est un premier facteur. Et moi, je dirais, j'en rajouterai un deuxième, c'est que cette exclusion des jeunes, elle est aussi un produit paradoxal de la protection sociale et du traitement spécifique que l'État réserve à ces jeunes. Les jeunes se retrouvent en effet à éprouver une forme d'état social très particulière que j'ai appelée l'activation sans protection, c'est-à-dire qu'ils sont responsabilisés, soumis souvent à un suivi serré de leurs démarches et de leurs efforts, mais la contrepartie financière accordée par l'État elle-même est bien maigre et surtout très incertaine, très précaire elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a une construction historique, alors ça aussi il faut un peu remonter dans l'histoire et mettre en perspective. On voit que les jeunes entre 18 et 25 ans ont perdu au début des années 90, enfin entre la fin des années 80 et le début des années 90, le peu de droits subjectifs et opposables, on pourrait dire automatiques, droits sociaux automatiques, qui leur avaient été accordés dans les années 60. En effet, jusqu'en 92, existait une allocation d'insertion qui était un minima social, alors à durée limitée, hein, qu'on pouvait toucher pendant un an maximum, mais enfin quand même qui était ouvert aux jeunes. Et dans la lancée du RMI en 88, en 92, on a considéré, le gouvernement, Martine Aubry à l'époque notamment, a considéré que cette allocation d'insertion, ce minima social, n'était pas une bonne chose pour les jeunes et qu'ils pourraient se contenter des dispositifs d'insertion, des emplois aidés, des contrats aidés, etc. Et en effet, les programmes d'insertion, eux, se sont succédés. Depuis. Hein. Aujourd'hui, c'est un quart des emplois des moins de 26 ans qui sont des emplois aidés. C'est quand même énorme. Ça veut dire que l'État a un poids structurel sur le marché du travail des jeunes, d'une certaine manière. Et voilà, des programmes d'insertion qui insistent unanimement dans leur philosophie sur l'engagement à la fois psychique et pratique des jeunes. Une logique d'investissement, on pourrait dire d'investissement social, qui, au lieu d'accompagner la mise en œuvre de droits nouveaux, par exemple, voilà, en 88, le RMI, aujourd'hui le RSA, ou de remodeler des droits existants, comme l'assurance chômage. On sait que voilà, l'activation concerne aussi l'assurance chômage, l'idée qu'il faut vraiment inciter les gens à retrouver un travail, retrouver un emploi. Cette logique d'investissement, elle s'est substituée entièrement au principe de la sécurité sociale au sens propre. Et c'est toujours articulé à des techniques d'incitation, incitation des jeunes à trouver un travail, trouver un travail rapidement. Donc c'est comme ça qu'on aboutit à des formes de discrimination d'âge dans les droits sociaux et notamment cette situation dans laquelle, voilà, à part pour une minorité de jeunes qui sont les travailleurs pauvres et non pas les pauvres sans emploi, pas de RSA, pas de minima sociaux pour ces jeunes-là. Donc on a affaire à une citoyenneté sociale précaire pour les jeunes précaires. Donc c'est pour ça, c'est en cela que je parle un peu de double peine pour ces jeunes, puisque pour eux, entre même 16 et 25 ans, on a des dispositifs qui
qui sont précaires et qui redoublent la précarité sociale et la précarité sur le marché du travail. C'est une double peine pour les jeunes issus de familles de couches populaires précarisées, qui ne connaissent que de très petits boulots, voire pas de boulot du tout, et qui, des dispositifs qui n'offrent aucune sécurisation, aucune possibilité d'anticiper sur un futur, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des dispositifs... Alors, si on parle des dispositifs d'accompagnement et même les contrats aidés, des dispositifs de durée limitée, qui prennent en charge les jeunes toujours sur un temps limité, c'est des dispositifs à enveloppe, à quota, si vous voulez. On dit, voilà, il y aura tant de contrats aidés cette année, ou la garantie jeune, ça va monter, les entrées, on va monter à 300 000. Donc, voilà, on fixe un quota. Et donc, avec ça, une contrainte d'enveloppe budgétaire, tout à fait, financière, fixée à l'avance, a priori, et en général en dessous des besoins. Et donc, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas ce qu'on appelle un droit. Et précaire aussi, parce que ce sont des dispositifs qui sont non pérennes, en général, dès qu'il y a un changement de majorité, un changement de gouvernement, plus d'argent dans les caisses, on passe à autre chose, on arrête, ou les dispositifs s'étiolent et disparaissent. Et avec parfois, pardonnez-moi Léa, mais avec parfois des contrats d'insertion qui s'arrêtent même en plein milieu du contrat milieu. Pour les jeunes qui en bénéficient. Oui. Et on leur dit, désolé, en fait, aujourd'hui, c'est un nouveau contrat, mais ce contrat-là, vous n'êtes pas éligible. Donc, voilà. Donc oui, en effet, les critères d'éligibilité changent de contrat en contrat. Donc, un jeune qui peut bénéficier d'un contrat à un moment donné ne bénéficiera pas d'un autre parce que les critères d'éligibilité peuvent changer. Et en plus, il y a souvent une forte discrétionnarité, c'est-à-dire que ce sont considérés comme des outils pour les professionnels de l'insertion, ils appellent ça positionner, qui prescrivent du coup comme un traitement, comme un médicament, qui prescrivent ces dispositifs. Donc il faut passer par les fourches codines de ces professionnels. Donc là aussi, on ne peut pas dire que ça soit un droit pour en parler. Donc je prends l'exemple de la garantie jeune pour illustrer un peu ça, dont Manuel Valls a en effet proposé l'extension à 300 000 jeunes cette année. Donc c'est un dispositif d'accompagnement vers l'emploi des jeunes NEET, dont on a parlé tout à l'heure, sans ressources. Mais il n'y a pas véritablement de test de ressources parce que ceux qui sont censés mettre en œuvre ce dispositif n'ont pas vraiment les moyens de faire un test de ressources pour savoir si les jeunes sont en dessous du niveau de ressources. En plus, ils ne savent pas le calculer parce que quand les jeunes sont dans les familles, comment on fait, qu'est-ce qu'on compte dans les ressources, on est un peu perdu. Donc ce dispositif d'accompagnement, il est assorti d'une allocation mensuelle qui est calculée en fonction des revenus du mois précédent, pouvant aller jusqu'au montant du RSA socle. Donc je crois que c'est défalqué, donc c'est à peu près 430-450 euros. Donc, c'est une avancée parce que pour une fois, une allocation qui tombe tous les mois. Et ça, c'est une avancée, par exemple, par rapport au contrat Civis qui l'a précédé et dans laquelle il y avait une enveloppe de 1 800 euros par jeune à débloquer à discrétion par le conseiller en mission locale sur l'année. Bon, là, on a quand même une allocation qui, à partir du moment où le jeune est rentré dans le dispositif, est débloquée, aussi en fonction de ses revenus du mois, mais il y a quand même une forme de garantie, de fait. Mais je pense que parler d'universalisation... un terme qu'on a entendu à propos de la garantie jeune, de l'extension de la garantie jeune, c'est un abus de langage parce que ce n'est pas un droit garanti ou opposable. Le programme est limité, le programme d'accompagnement est limité, c'est 12 mois d'accompagnement, possibilité de prolonger pour 6 mois, donc quid des jeunes après ces 12 mois d'accompagnement. Et on a déjà des retours des jeunes qui s'inquiètent de la fin du dispositif, se demandaient qu'est-ce qu'ils vont devenir. Oui, parce que c'est expérimenté depuis novembre. Depuis novembre 2013. Et donc, on commence à avoir quelques retours là-dessus. C'est un dispositif qui est financé grandement par le FSE, donc c'est un financement non pérenne. Fonds social européen, donc par la Commission européenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est des NEET, c'est ce critère, alors que ça aurait pu être autre chose. Mais la Commission européenne donnait de l'argent à condition que ça soit des NEET. Quid de la garantie jeune après 2017, quand le Fonds social européen va se retirer, comment on va financer ça et qu'est-ce que ça va devenir? De plus, c'est une enveloppe, donc il y a un nombre de bénéficiaires fixé a priori. C'est comme si on disait, cette année, pour le RSA, on ne prend pas plus de 800 000 bénéficiaires, on vous avertit tout de suite, même s'il y a 2,5 millions de foyers bénéficiaires l'année dernière.
Et ceux qui seraient éligibles mais qui le réclameraient après le 15 janvier, le quota est déjà rempli, donc ils attendent l'année prochaine. Revenez l'année prochaine pour bénéficier de vos droits. Donc c'est un peu la même idée. On organise une file d'attente et le bénéfice du programme dépend des modalités de gestion de cette file d'attente par les organismes sociaux. Et en l'occurrence, là, c'est beaucoup les missions locales qui sont au centre et elles font ce qu'elles peuvent. Cette gestion de la file d'attente, dans le cadre de ces dispositifs d'insertion, prend en compte aussi les objectifs de mise en emploi à la sortie. Parce que les missions locales qui mettent en œuvre ce dispositif ont un objectif de mise en emploi à la fin des 12 mois ou des 18 mois d'accompagnement. Et ça, on sait très bien, on a beaucoup d'études là-dessus qui montrent qu'à partir du moment où vous mettez un objectif d'emploi à la fin, c'est répercuté à l'entrée, c'est-à-dire que assez naturellement, les missions locales vont filtrer, sans doute, finir par filtrer pour prendre dans ces dispositifs des jeunes qui auront moins de risques d'abandonner et plus de chances de trouver quelque chose à la sortie, d'avoir une sortie positive. Et ça, ce phénomène d'écrémage, ce qu'on appelle l'écrémage, qui est un phénomène bien connu, s'accentue dès lors que la pression sur les objectifs vont s'accentuer. Alors, en conclusion, je dirais que on est quand même loin d'une politique de droits sociaux vraiment individualisée, que chaque élection présidentielle, et là on s'en approche, suscite l'espoir d'une mise à plat des politiques sociales de jeunesse, et à chaque fois on constate que c'est quand même la frilosité qui l'emporte, sur fond d'organisations de jeunesse quand même souvent atone. Il faut dire aussi que sur ces questions de pauvreté, on a assez peu de porte-parole organisée pour les jeunes précaires, pauvres, issus de familles précaires. Les organisations de jeunesse sont plutôt des organisations étudiantes et qui s'occupent de la précarité étudiante, et c'est très bien. Toute cette question des politiques sociales de jeunesse, ça avance pas énormément. Les efforts des gouvernements successifs se concentrent sur l'accès à l'emploi, jugeant à juste titre que c'est une préoccupation majeure des Français. Mais moi, je dirais que, pourtant, les possibilités d'innovation en matière de politique d'insertion des jeunes sont largement réduites si on considère comme intouchables deux fondamentaux des politiques de jeunesse. D'abord, des politiques d'éducation et de formation monochrones, c'est-à-dire l'idée que l'éducation et la formation, c'est fait sur le modèle de l'étudiant à plein temps, et sans interruption, on fait ses études, on va le plus loin possible, on décroche le diplôme le plus haut possible d'un seul coup, et puis après on rentre sur le marché du travail, il n'y a plus de retour aux études où c'est très difficile. Donc ça, c'est une première chose qui paraît qu'on a du mal à transformer. Et puis deuxième intouchable, c'est cette discrimination en termes de droits. Moi, il me semble qu'une véritable politique d'éducation tout au long de la vie, qui ferait notamment tomber les limites d'âge dans l'octroi de toutes les bourses de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et qui les rehausserait aussi, qui permettrait une véritable autonomie, ça permettrait de desserrer l'étau autour des trajectoires accidentées, et une politique sociale moins agisée, c'est-à-dire moins travaillée par des bornes d'âge, des limites d'âge. Il y a des limites d'âge partout, même entre 18 et 25 ans. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez donc 16 ans, 18 ans, 21 ans. Beaucoup de politiques sociales, dans beaucoup de politiques sociales, on retrouve cette borne d'âge des 21 ans. Mais qui ne sont jamais vraiment les mêmes, donc il n'y a pas de consensus. Voilà, il n'y a pas de. C'est complètement désynchronisé, c'est-à-dire il y a des limites d'âge complètement disparates entre les dispositifs. Et donc une politique sociale moins agisée, moins travaillée par ces normes et ces bornes d'âge, pour être plus attentif aux singularités des situations. Et ça serait pour moi une condition pour la mise en œuvre de politiques de situation et non de statut, et notamment de statut d'âge. Et vous pointiez du doigt le fait qu'il y ait très peu d'organisations
de jeunes, jeunesse qui s'occupe à plein temps de ces questions liées à la précarité et à la pauvreté des jeunes, mais on pourrait aussi pointer du doigt les ministères, puisqu'aujourd'hui la jeunesse est rattachée à un ministère très flou qui va de la ville au sport, à la vie associative, et finalement c'est aussi le marqueur du peu de, comment dire, de ciblage que l'on fait en termes de politique publique au niveau des ministères sur cette question-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, bon, voilà, le ministère de la jeunesse et les institutions, même publiques, qui s'occupent de la jeunesse, ont beaucoup de mal à exister. Je rappelle que l'INJEP, hein, l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire, est d'une certaine manière fermé, on peut dire, hein, a été aspiré par le ministère et sa spécificité, sa force de frappe a été annihilée récemment, hein, par ce gouvernement. Donc pour moi aussi, c'est une marque quand même un peu des difficultés qu'on a à saisir le problème quand même dans toute son ampleur. Et on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure dans le cadre des questions, mais il y a aussi le vrai problème de la péréquation financière des missions locales qui ont de vraies, vraies difficultés à gérer, financer et à respecter le cahier des charges de ces contrats d'insertion qui parfois sont très lourds. C'est un financement au rabais, oui, on peut le dire. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Merci à vous, Léa Lima. Je passe la parole à Tom Chevalier, chercheur associé à Sciences Po, à Terre, à l'Université Paris de Panthéon, à Sas. Et votre intervention, Tom, s'articulera autour des différentes politiques publiques en Europe visant à promouvoir l'autonomie des jeunes. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité. Je vais donc parler des politiques publiques qui visent à promouvoir l'autonomie des jeunes en Europe. Donc voilà, donc c'est une espèce de bilan tiré de ma thèse que je viens de soutenir. Par rapport aux deux présentations précédentes, je vais faire quelques décalages. Premier décalage par rapport à la présentation de Camille Peny, je vais plutôt problématiser la jeunesse en termes de cycle de vie plus qu'en termes de génération. Donc vous verrez que ça a une influence sur les politiques publiques que je prends en compte. Deuxième décalage par rapport à la présentation de Léa Lima, ce sera de prendre en compte davantage de politiques publiques et de ne pas me cantonner seulement aux politiques sociales, donc en intégrant aussi les aides aux étudiants, les politiques de l'emploi et les politiques d'éducation qui ont aussi un rôle à jouer dans l'accès à l'autonomie des jeunes. Et enfin, troisième décalage, ce sera de décaler mon regard en intégrant aussi la comparaison avec d'autres modèles sociaux, avec d'autres pays pour essayer de mieux saisir la spécificité de la France en Europe. Merci. Donc tout d'abord, définir et problématiser comment penser l'autonomie des jeunes donc dans ce cadre-là et comment considérer les politiques publiques qui peuvent promouvoir cette autonomie des jeunes. Alors, le premier point que j'aimerais faire, ce serait de dire qu'il faut voir la jeunesse en tant qu'âge de la vie et non en tant que génération. Enfin, c'est l'angle d'attaque que j'ai dans ma thèse. Et pour ce faire, il faut comprendre la spécificité de la jeunesse dans le cycle de vie dans sa globalité. Et le cycle de vie a été structuré en trois temps depuis grosso modo le 19e siècle, la moitié du 19e siècle. Il y a eu ce qu'on appelle l'institutionnalisation de la tripartition de cycle de vie. Donc c'est l'idée que l'État a mis en place des politiques publiques qui ont créé trois âges de la vie, que sont l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Voilà, donc les politiques publiques ont été mises en place. Si, peut-être l'autre, du coup, je vais faire des allers-retours. Donc, par exemple, pour créer l'âge de l'enfance, c'est la mise en place des systèmes éducatifs modernes, avec l'obligation, par exemple, de scolarité qui a été posée dans la totalité des pays européens au 19e siècle. Et donc, l'idée que l'enfance est rattachée à cette fonction d'éducation. Voilà, être un enfant, c'est avant tout être un individu en formation et en formation seulement. Et pour la vieillesse, c'est par exemple la mise en place des systèmes de retraite qui ont progressivement créé ce troisième âge de la vie qu'est la vieillesse, qui est ce droit au repos après une vie de travail et donc qui a été permis par la montée en puissance, l'arrivée à maturation des systèmes de retraite. Je vais revenir juste en avant. Hop. Voilà, donc cette institutionnalisation de la tripartition du cycle de vie,
elle a débouché tout d'abord sur une standardisation des trajectoires individuelles. Donc l'idée que tous les individus ont progressivement eu plus ou moins les mêmes types de trajectoires à ce niveau-là. Donc contrairement à ce qui était par exemple le cas sous l'Ancien Régime, comme l'a souligné Camille Peny, où on distinguait donc la noblesse, le tiers état, etc. Là, c'est l'idée que progressivement, la mise en place de ces politiques publiques ont standardisé les trajectoires de tous les individus. Deuxième idée, c'est l'idée de synchronisation des transitions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, on considère plusieurs types de transitions. Il y a la fin des études, l'entrée sur le marché du travail, le départ du foyer parental, la constitution d'un foyer en se mariant, en ayant des enfants. Voilà. Donc, il y a différentes étapes qui sont franchies pour devenir un adulte. Et cette tripartition du cycle de vie a conduit à la synchronisation du passage de ces différentes étapes. C'est-à-dire qu'on passe dans le même moment, dans le même mouvement, toutes ces transitions. On arrête ses études et dans le même mouvement, on va trouver un emploi, on va quitter le foyer parental, on va fonder une famille. Alors, il faut bien voir malgré tout qu'il y avait quand même des différences donc de timing dans ces transitions en fonction du genre et de classe sociale. Je passe rapidement sur cet enjeu. L'idée, c'est tout de même que globalement, on passait dans le même mouvement ces transitions. Et dans cette perspective, on passe donc directement du statut d'enfant au statut d'adulte. Et donc, dans cette conception du cycle de vie, il y a trois âges de la vie et la jeunesse n'existe pas. La jeunesse n'existe pas en tant que période de la vie, âge de la vie autonome, tel qu'on peut commencer à le voir désormais. Donc là, je vais avancer. Hop. Voilà, donc du fait de transformation économique et sociale que Camille Peny a décrit en introduction, il y a eu une transformation et une complexification de la transition à l'âge adulte. Tout d'abord avec ce qu'on appelle l'allongement de la jeunesse. Donc le fait qu'on passe les différentes étapes dont je viens de parler de façon toujours plus tardivement, en fin de compte. Voilà, on termine les études plus tard, on rentre sur le marché du travail plus tard, etc. etc. Deuxième transformation du passage à l'âge adulte, c'est la désynchronisation des transitions. On ne passe plus en même temps les différentes étapes. Voilà, on peut rester chez ses parents et avoir un job, ou alors on peut quitter le domicile parental, rentrer sur le marché du travail, et puis ensuite revenir faire des études, etc. On peut déconnecter les différentes transitions. Et troisième point, oui, ce que j'étais en train de dire, troisième point, c'est l'idée de réversibilité des transitions, donc ce qu'on appelle la yo-yoisation des transitions, le fait qu'on peut arrêter ses études, rentrer sur le marché du travail, et puis décider de reprendre ses études, quitter le domicile parental, et puis se retrouver au chômage et être contraint de retourner chez ses parents, etc. etc. Et ces trois mouvements qui ont complexifié la transition à l'âge adulte, ont fait émerger progressivement ce nouvel âge de la vie que serait la jeunesse en tant que période de transition, une période d'entre-deux entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà, donc à partir de là, j'ai problématisé donc les politiques publiques pour essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent permettre aux jeunes d'accéder au statut d'adulte et un statut d'adulte bien spécifique qui est l'indépendance financière. Voilà, être un adulte, c'est aussi, entre autres, avoir accès à des ressources en propre, avoir des ressources financières. Et c'est ce que j'ai regardé dans ma thèse en essayant de voir quelles sont les politiques publiques que peut mettre en œuvre l'État pour promouvoir cet accès à des ressources. Et c'est donc ce que j'ai appelé l'accès à la citoyenneté socio-économique. Donc je vais parler un petit peu de la citoyenneté sociale comme Léa Lima, mais pas seulement. Donc voilà, donc dans mon travail, je propose une typologie de régimes de citoyenneté socio-économique en Europe afin de bien comprendre les différentes configurations de politiques publiques, les différentes logiques qu'on trouve en Europe pour promouvoir l'autonomie des jeunes. Alors, dans cette typologie, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de citoyenneté économique, et la seconde, c'est la dimension de citoyenneté sociale, qui renvoie à deux modes d'intervention de l'État pour promouvoir cette indépendance des jeunes. La première façon de promouvoir l'indépendance des jeunes, c'est tout simplement de les aider à accéder à l'emploi, puisque pouvoir être indépendant, c'est rentrer sur le marché du travail, accéder à un emploi, et ça permet d'avoir des revenus indépendamment de sa place dans la famille. Donc, le premier mode d'intervention de l'État, c'est aider les jeunes à accéder à l'emploi. Et pour ce faire, il y a deux types de politiques publiques, de façon très générale, qui peuvent permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. C'est la politique d'éducation et la politique de l'emploi. Et de l'autre côté, c'est la dimension de citoyenneté sociale. C'est l'idée que l'État, pour promouvoir l'autonomie, peut aussi directement délivrer un revenu aux jeunes
via des aides publiques. Et là sont concernées la politique familiale, donc avec plusieurs dispositifs, les aides aux étudiants, les allocations logement et les prestations chômage comprises de façon très générale, puisque ça peut aussi comprendre donc des dispositifs de, d'assistance comme le revenu minimum par exemple. Alors, en ce qui concerne la première dimension, donc la citoyenneté économique, ce qu'on voit en Europe, c'est qu'en fait, il y a deux stratégies différentes de promouvoir l'emploi des jeunes. On a une première stratégie, donc en ce qui concerne la politique d'éducation et donc la politique de l'emploi, on a une première stratégie où le but, dans la mesure où ce qui est central, comme ce qui a été dit en introduction, c'est le diplôme, de plus en plus, pour pouvoir accéder à l'emploi dans le marché du travail actuel. La première stratégie, c'est essayer de délivrer à tous les jeunes des compétences qui leur permettront ensuite de trouver un emploi une fois rentrés sur le marché du travail. Et dans cette optique, on a des systèmes éducatifs qui sont relativement égalitaires, qui permettent de délivrer certaines compétences à tous les jeunes, qui limitent le décrochage scolaire. Et ainsi, les jeunes, une fois qu'ils rentrent sur le marché du travail, ont un certain nombre de compétences qui leur permettent d'accéder à l'emploi. Dans cette perspective, la politique de l'emploi joue comme une compensation à la politique d'éducation. C'est-à-dire pour ces jeunes qui, malgré tout, n'ont pas eu les compétences nécessaires pour accéder à l'emploi, la politique de l'emploi est ici pour donner une deuxième chance. Elle donne une deuxième chance, elle constitue un filet de sécurité, et donc elle va se focaliser sur ces jeunes peu qualifiés en délivrant de la formation professionnelle et en, par exemple, proposant des garanties jeunes, qui est justement donc, cette idée de délivrer une deuxième chance à des jeunes peu qualifiés et qui se trouvent en difficulté sur le marché du travail. C'est ce que j'appelle la citoyenneté économique inclusive. Face à ça, on a une citoyenneté économique sélective. C'est l'idée que le système éducatif, à l'opposé, est élitiste et donc va produire de fortes inégalités scolaires entre les jeunes. Ce qui fait qu'il y aura une partie de la jeunesse qui aura accès à des compétences qui leur permettront ensuite de s'intégrer sur le marché du travail, et une frange plus importante de la jeunesse qui sortira du système éducatif peu qualifié et qui se retrouvera donc en difficulté sur le marché du travail avec des taux de décrochage scolaire assez élevés. La politique de l'emploi, dans cette stratégie, ne va pas chercher à compenser en fait, les défauts du système éducatif. Elle va en fin de compte renforcer la logique qui est présente dans le système éducatif en renforçant ces inégalités. Elle va, par exemple, en ce qui concerne les jeunes qualifiés, éventuellement proposer de la formation professionnelle, mais ne va pas cantonner cette formation professionnelle aux jeunes peu qualifiés, mais l'ouvrir à tous les jeunes, ce qui, de fait, va permettre aux jeunes qualifiés de capter l'essentiel de cette formation professionnelle, ce qu'on trouve notamment en France. Et de l'autre côté, on va avoir une politique de l'emploi qui ne va pas se focaliser sur la formation professionnelle pour les jeunes peu qualifiés qui sont en difficulté sur le marché du travail. Pour ces jeunes peu qualifiés en difficulté sur le marché du travail, l'objectif va davantage être de permettre aux entreprises ou à l'État de créer des emplois atypiques qui correspondent à leur supposé niveau de productivité. Donc c'est ce que j'appelle donc une stratégie qui se focalise sur la demande de travail, donc la demande de travail, c'est-à-dire les entreprises ou l'État, alors qu'une stratégie sur l'offre de travail, c'est-à-dire les travailleurs. Donc par exemple, c'est ce qu'on a en France avec toutes les idées d'emploi aidé quand c'est dans le secteur public, mais aussi par exemple une focalisation sur l'abaissement du coût du travail quand c'est dans le secteur privé, avec l'exonération de cotisations sociales pour des entreprises qui embaucheront des jeunes peu qualifiés. Voilà, donc c'est deux stratégies différentes, plus inégalitaires du coup dans la citoyenneté économique sélective. Je ne vais pas développer sur macro-corporatif, je ne pense pas que j'aurai le temps. Oui, il vous reste à peine 4 minutes, Tom. Parfait, je vais donc présenter donc la deuxième dimension, la citoyenneté sociale, qui est donc la façon dont l'État va délivrer des aides publiques aux jeunes en Europe. Et là encore, on a deux stratégies qui renvoient à ce qu'a abordé Léa Lima. Une stratégie qui renvoie à la familialisation de la citoyenneté sociale et une stratégie qui renvoie davantage à l'individualisation de la citoyenneté sociale. Et ces deux stratégies dépendent de la représentation dominante qu'on a de la jeunesse, en fonction du cycle de vie, ce que j'ai présenté tout à l'heure, enfance, âge adulte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on rapproche la jeunesse de l'âge de la vie qui est l'enfance, eh bien, il va y avoir une familialisation dans le sens où, en fin de compte, les politiques publiques qui seront développées seront les politiques publiques qui concernent l'enfance. Donc on aura, par exemple, des obligations alimentaires dans cette stratégie, des obligations alimentaires qui se prolongent au-delà de la majorité civile, dans le sens où les jeunes, même au-delà de la majorité civile, sont toujours des enfants. C'est donc toujours à leurs parents
de les prendre en charge au-delà de la majorité civile tant qu'ils ne sont pas indépendants financièrement. Le statut dans la protection sociale sera donc aussi un statut d'enfant, c'est-à-dire un statut de dépendant. Donc en France, c'est un statut d'ayant droit, d'enfant à charge, qui s'explique par le fait que les limites d'âge sont assez élevées. Donc là, l'exemple qui vient tout le temps en tête, c'est effectivement la limite d'âge de 25 ans pour le RSA, donc en dessous de cet âge, les jeunes sont des enfants à charge, donc ont un statut d'enfant, en fin de compte, dans la protection sociale. Ensuite, en ce qui concerne les aides aux étudiants, et là, c'est assez important dans la mesure où l'étudiant, c'est ce jeune toujours en éducation. Or, dans la pensée de la tripartition du cycle de vie, quelqu'un en éducation, c'est un enfant. Donc la façon dont on va traiter un étudiant est assez symptomatique de la stratégie de citoyenneté sociale qui est en place. Si le jeune qui est donc toujours en éducation est un enfant, c'est toujours la politique familiale qui doit être concernée. Et donc, en ce qui concerne les étudiants, la politique familiale sera importante. On aura des limites d'âge plus tardives, plus élevées, et éventuellement plus élevées pour les étudiants, dans la mesure où ils sont toujours en éducation. Et donc, c'est toujours à leurs parents de les prendre en charge. Et ça se retrouve aussi dans les bourses, dans la mesure où ces bourses, du coup, dépendront du revenu des parents, puisqu'elles ne sont pas censées permettre l'indépendance des jeunes, mais seulement permettre à leurs parents de les prendre en charge tant qu'ils ne sont pas encore indépendants et rentrés sur le marché du travail. Et ça, c'est une critique de certaines organisations étudiantes qui estiment que le fait d'avoir comme critère les ressources des parents est discriminatoire pour certains, parce que certains ne vivent plus chez leurs parents depuis des années, sont en rupture totale avec leur famille, et du coup il y a un vrai problème de sur quel foyer fiscal on se base pour pouvoir donner ces bourses-là. C'est ça. Au-delà ensuite des problèmes de fait qui se posent, la logique de fond de toute façon qui explique ça, c'est le fait que c'est partir du présupposé qu'un jeune en éducation est un enfant, et que donc c'est à la famille de le prendre en charge. Alors que dans une stratégie d'individualisation, la jeunesse renvoie davantage à l'âge adulte et non plus à l'enfance. Donc les obligations alimentaires s'achèvent relativement tôt, les parents ne sont plus censés les prendre en charge après leur majorité civile, voire l'âge de fin de scolarité obligatoire. Le statut dans la protection sociale sera donc un statut d'indépendant et non plus d'enfant à charge, qui sera permis par des limites d'âge beaucoup plus basses, donc autour de 18 ans la plupart du temps, mais voire 16 ans parfois, puisque 16 ans c'est souvent l'âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne les aides aux étudiants, la politique familiale donc, ne sera pas disponible, puisque la politique familiale renvoie à l'âge de l'enfance, et dans cette stratégie d'individualisation, les jeunes sont considérés comme des adultes, donc la politique familiale n'est plus disponible pour les étudiants et leur famille. En revanche, pour compenser ça, les bourses et ou les prêts, donc ça dépend des pays, ne dépendent plus du revenu des parents, mais des revenus du jeune, puisqu'ils sont censés être financièrement indépendants, et sont donc ouverts à beaucoup plus de jeunes, hein, puisque pour les bourses sous conditions de ressources, dans les pays où il y a des bourses sous conditions de ressources, c'est entre 1 et 30% d'étudiants qui bénéficient de l'aide aux étudiants, alors que dans les pays individualisés, c'est entre 80 et 100% de jeunes qui bénéficient des bourses et des prêts. Voilà. Et donc la couverture sociale ensuite s'en ressent, beaucoup plus élevée dans les pays où va y avoir une individualisation de la citoyenneté sociale par rapport aux pays où ce sera plutôt familialisé. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc Merci. Nous, en France, on se trouve bien dans le modèle de la familialisation, selon votre modèle à vous. Voilà, c'est ça. Merci à vous, Tom Chevalier. On va passer la parole à Aurélie Charron, qui est donc journaliste et productrice à France Culture. Aurélie, vous êtes l'auteur d'une série de documentaires diffusée l'été dernier sur France Inter, intitulée Une série française, 9 épisodes avec comme intention de faire entendre les voix, les univers, les vies de plusieurs jeunes de France. Et alors, on va vous demander de raconter un peu votre démarche. D'abord, de nous dire ce que vous recherchiez exactement avec ce documentaire. Quelle était votre intention? Comment avez-vous trouvé vos témoignages? Sur quels critères vous vous êtes basé pour avoir votre panel de jeunes? Et puis, qu'est-ce qui vous a marqué dans les témoignages que vous avez recueillis? Et on aura l'occasion d'entendre un, voire deux de ces témoignages que vous avez recueillis dans le cadre de ce documentaire. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Merci, mais moi je suis un peu la moins spécialiste de cette table et c'est plus dans l'idée de faire le récit de quelques expériences, rencontres. C'est vrai qu'on entendait
parler de la ZEP au début de l'après-midi. Et c'est un peu dans cette même intention aussi que j'ai réalisé cette série sur France Inter l'été dernier, dans l'idée d'arrêter de parler à la place des autres et de laisser la parole aux jeunes. Et donc c'est pour ça que ça me fait toujours un peu étrange justement là de parler... pas à leur place, mais d'essayer de transmettre voilà, quelques mots et quelques histoires qu'ils m'ont racontées. Et c'est pour ça que j'ai prévu une ou deux voix à entendre. En fait, moi, j'avais réalisé des séries documentaires comme ça l'été sur France Inter. Donc à chaque fois, c'est 9 heures, 9 épisodes d'une heure, depuis 4-5 ans, mais plutôt sur la jeunesse à l'étranger, en fait, autour de la Méditerranée, là où il y a eu des printemps, des révolutions, dans des pays où il y a différentes communautés qui vivent ensemble. Et c'était pour un peu observer le vivre ensemble et comment justement les enfants... les jeunes gens avançaient dans la vie sans hériter bêtement des conflits de leurs parents. Et puis l'été dernier, j'avoue que c'est aussi venu de la direction de la radio qui avait envie d'entendre la jeunesse en France après les attentats de Charlie. Après, bon, il y avait une envie en tout cas de déterrer quelques paroles. Et moi, je trouvais ça intéressant de justement faire entendre ce qui se passait un peu en sourdine et d'arrêter de dire que soit c'était justement une génération sacrifiée, soit il se passait plus rien, soit tout le monde était au fond du trou. Et donc et je me suis dit par contre comment, j'avais un peu peur parce que je m'étais dit quand je pars à Téhéran ou je sais pas, c'est évident que je pars un peu vierge, évidemment je travaille, mais j'arrive comme ça et je pose des questions aux gens sur leur vie et aux jeunes de façon un peu... naïve, et je me suis, enfin pas naïve, mais je veux dire sans stéréotypes, sans clichés, sans idées préconçues, et je me suis dit il faut vraiment que je fasse ça en France, il faut que je fasse comme si j'allais à Sarajevo ou que j'arrive à Marseille comme si voilà, je connaissais rien, que je fasse un peu le vide pour repartir de zéro et arrêter d'avoir toutes ces couches de tout ce qu'on entend dans les médias ou tout ce qui justement parle à leur place. Et c'est marrant parce que la question d'aujourd'hui, comment être jeune dans un monde de vieux, je me suis dit, c'est moi, en tout cas, en rencontrant pas mal de jeunes, la question vraiment, c'est comment être soi-même dans un vieux monde, quoi. Comment devenir soi-même et comment arriver à justement devenir quelqu'un et qui on a envie d'être et avec le métier qu'on a envie d'être dans un vieux monde, dans des vieux schémas de vie, de pensée. Et c'est ça la vraie question pour eux, j'ai l'impression aussi. Et il y a une chose aussi importante qui m'a marquée, c'est que vous parliez de standardisation, des itinéraires ou... Il y a quand même beaucoup de jeunes gens qui ont l'impression qu'il y a des choses, enfin des endroits qui sont pas prévus pour eux, quoi, ou que eux sont pas prévus ni attendus dans ces endroits-là. Et on leur fait comprendre dès l'école que ça c'est pas pour eux, ou en tout cas même si c'est pas formulé, en fait c'est tellement évident que. Et donc ça m'a pas mal interrogée parce que je me suis dit il y a quand même quelque chose dans le discours qu'on porte sur les gens, les jeunes, et dans la perception que eux d'eux-mêmes et de ce qu'on leur renvoie, finalement c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui se joue et qui est important parce que souvent on devient aussi les mots qu'on vous adresse, enfin on devient aussi, et quand on te dit depuis que tu as 9 ans qu'il va falloir que tu réfléchisses si tu fais menuiserie ou qui est très bien menuiserie, mais je veux dire quand on rêve de devenir archéologue ou je sais pas, enfin il y a beaucoup de jeunes gens qui m'ont raconté ce fossé en tout cas entre leurs rêves et ce qu'ils ont vraiment, ce qu'on leur a vraiment proposé de faire. Et voilà, c'était assez... ça se retrouvait dans beaucoup de témoignages. Et juste avant d'écouter une première voix, comme j'avais travaillé pas mal autour de la Méditerranée, bon, la série d'avant s'appelait Underground Democracy, se passait à Gaza, Téhéran, Moscou, Alger, et c'était l'idée de, dans des endroits sans démocratie, ou en tout cas en manque voilà, de liberté, comment la jeunesse, en souterrain, se crée ces espaces de liberté, comment elle bougeait. Et puis j'avais rencontré un jeune qui s'appelle Amir, qui a grandi à Gaza, qui est assez incroyable, qui a 25 ans aujourd'hui et qui est arrivé en France à 23 ans, qui a réussi à sortir, qui a appris le français, qui écrit des poèmes en français. Et donc j'avais envie de commencer la série française avec lui parce que c'est un futur français, parce qu'il a envie de rester là et que pour moi c'est un peu comme un candide moderne, quoi. Il n'est pas du tout naïf, il est complètement brillant, mais en même temps il remet en cause tout ce que nous on ne remet pas en cause parce que c'est tellement évident. Et quand il est arrivé en France, il m'a dit mais c'est fou, ils sont tous vieux, tous les hommes politiques sont vieux, dès qu'il y a un jeune qui fait quelque chose, il passe dans les journaux, on dit mais il a 23 ans, il a écrit un livre, enfin je sais pas, ça l'a marqué la façon dont
Donc finalement, les jeunes gens étaient peu présents sur la scène médiatique ou à des endroits où on pouvait les entendre. Et lui, il est professeur d'arabe maintenant à Paris, donc il est en lien avec des jeunes gens tout le temps. Et il me disait qu'il avait, dans les pays qu'il a traversés pour arriver, comme l'Égypte, il sentait une jeunesse qui était, même si c'est hyper difficile aussi, mais qui était passionnée par l'avenir, enfin, qui avait en tout cas cette passion de l'avenir. Et en France, il disait, mais j'ai l'impression qu'on ne dit pas à la jeunesse qu'elle a un rôle à jouer, en fait, enfin, qu'elle peut faire des choses et qu'elle a en tout cas son mot à dire. Et il avait l'impression que les jeunes gens étaient un peu, qu'on leur avait un peu tapé sur la tête et que du coup, ils s'étaient dit que, bon, ils passaient à autre chose, quoi, ils ne s'exprimaient pas forcément. Et peut-être qu'on peut écouter. Alors, je vais aller chercher le. En fait, c'est un. Peut-être qu'on peut écouter Mohamed. Donc Mohamed qui a 24 ans et ouais. Qui est surveillant dans. Lui, il est surveillant dans un collège, à Marseille, collège Versailles, dans le 3e arrondissement. Donc, c'est au centre de Marseille, mais c'est un collège. Comment dire? Quand je suis arrivée, Mohamed, il m'a dit, donc tu vas voir, il n'y a pas de blancs, il n'y a plus de blancs, ils sont tous partis il y a 5 ans. Et ça, c'est aussi un truc assez incroyable, la séparation des milieux. Et souvent, quand j'ai rencontré des jeunes gens qui faisaient des choses, qui avaient un regard, c'est qu'ils avaient eu la chance, à un moment donné, de traverser plusieurs milieux, d'habiter dans un endroit, mais d'être dans un lycée où il y avait aussi un autre quartier qui venait. Enfin, et ça, c'est aussi un problème, quoi. Bon, mais Mohamed, il est à 24 ans, il est surveillant, et donc il s'occupe de tous ces petits jeunes qui ont 11, 12, 13 ans au collège, c'est un peu leur grand frère. Et je lui demandais comment eux, ils envisageaient l'avenir et puis comment lui, il avait avancé. Alors, je crois que... En plus, je vais te dire un truc, ce qui est malheureux, c'est qu'à l'école, on ne fait pas découvrir le métier aux petits. Aujourd'hui, un troisième, tu dis qu'est-ce que tu as envie de faire et la plupart du temps, ils vont te dire on ne sait pas. Et tu dis je vais aller en mécanique. Pourquoi? En fait, parce qu'il a envie, parce qu'il ne reste que ça. Je voulais faire tout ce qui est électricité, etc. Et le problème, c'est qu'il m'a dit à plus de place. Il m'a dit, si tu veux, il reste des places en mécanique industrielle, tu vois, ça a rapport avec les ascenseurs, plein de domaines, en fait. Du coup, je l'ai pris. Tu vois, j'ai pris un truc que ça, je ne pourrais jamais faire ça de ma vie. Et du coup, c'est malheureux. Moi, je suis parti voir la conseillère d'orientation. Elle me proposait des métiers, je lui crachais à la figure. C'était quoi comme métier? En fait, je suis arrivé, elle m'a regardé. Je lui dis, moi, en fait, à cette époque-là, j'avais envie de faire général, parce que je voulais plus réfléchir à ce que je voulais faire. Donc, c'est le général, c'est des études où tu as le temps de réfléchir. Elle me regarde, elle me dit tu rigoles j'espère. Moi je te conseillerais jardinier, je sais pas quoi. Alors, je lui crache à la figure, mais elle était choquée. J'ai en fait, j'ai dit sérieux, pourquoi je crache à la figure? Parce que vous m'avez rabaissé. J'ai dit ouais, mais les jeunes, parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'on leur accorde des chances. Ils peuvent toujours se rattraper. J'ai pas 60 ans. Hein. C'est pas ma vie, elle est pas déjà en fait. Hein. Quand on va voir un conseiller devant un patient, je sais pas, tu proposes pas des trucs de merde, quoi. Comme il a proposé à mon collègue éboueur et tout, tu vois, c'est pas des trucs de fou, quoi. Tu vois pas à Oxford hein, en général, hein. Il faut arrêter le délire, il faut 17 de moyenne, je sais pas quoi. Le prof, il te regarde, tu dis non, tu parles en général. Poto, c'est, je sais pas, moi, c'est des études basiques. Hein. J'ai pas demandé une université américaine, tu vois. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, tu vois. Maintenant, quand tu vas en général, franchement, ils ont des niveaux par rapport à nous. C'est pas waouh. Hein. Est-ce que justement, les jeunes avec qui tu es là, ils se permettent de rêver à des métiers un peu plus que ça, quoi? Et rêver, non, c'est pas des rêveurs. Moi, ce qui me fait l'impression, c'est qu'ils sont extrêmement réalistes. Tu vois, c'est des petits, ils vont pas te parler. Nous, à l'époque, tu te souviens, Aurélien, à notre époque? Je vais être comédien, je vais être chanteur, tu vois. Tellement ta mère, elle te regardait, elle rigolait. Tu, lui, il a pris un coup, ce petit, tu vois. Moi, franchement, avec tous les petits que je parle, j'entends jamais un me dire je vais finir comédien, footballeur et tout. En fait, il va regarder là où il y a du travail. Exemple, la clim. La clim, il y a beaucoup de travail, plombier. Et, ben, il va te dire, moi, j'aimerais bien faire plombier, j'aimerais bien faire, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai jamais entendu des trucs où il rêvait, tu vois. Mais sinon, ils sont réveillés dans leur tête. C'est pour ça que ça me fait plaisir de voir que les petits sont réveillés dans leur tête. Hein. Je vais te dire un truc, Aurélie. On parle beaucoup de chômage en France. Je ne ferais pas n'importe quoi pour un salaire. Tu vois, dans un lieu de travail, on te dit, exemple, voilà, reste debout toute la journée devant tel truc. Tu surveilles. Mais tu es fou ou quoi? Je gaspille ma jeunesse à rester debout. Je veux faire quelque chose. Moi, j'ai de l'énergie, j'ai des trucs à revendre, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut un salaire pour vivre, mais je ne ferais pas n'importe quoi pour l'avoir. Maintenant, il me reste que le collège. J'ai la vérité, Aurélie. Hein. 600 euros par mois, ça me suffit largement. Là, j'ai postulé pour un deuxième collège. Au moins d'avoir un temps plein, je ne me plains pas. Bon. Mais il le dit assez clairement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, enfin, voilà, que j'ai retrouvé dans pas mal de mes rencontres, cette idée que
que très jeune, on te prédit quelque chose et on te le reproche après, quoi. Et peut-être qu'on peut écouter la voix de Robin à la suite. En fait, Robin, c'est aussi un... Bon, alors j'ai hésité parce qu'il y a plein de parcours différents et tout ça, mais bon. Robin me parlait aussi pas mal de ses rendez-vous à Pôle emploi, de la difficulté de se projeter aussi dans un métier qui te plaît aussi, qui, voilà, qui te donne envie de le faire bien. Et donc, je crois que c'est ça. Donc lui, il a 23 ans et il habite aussi à Marseille. Et il est aussi berger en Corse, quand il est entre deux intérims. En intérim, pour être accepté sur un chantier, il faut y aller pendant un an, il faut les harceler pendant un an. Ça donne pas envie. La plupart des gens ici, ils n'aiment pas leur métier. Ils y vont parce qu'il faut y aller. Et un pays, il ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. S'il n'y a rien derrière, et si tu, en fait, eh ben, tu travailles et tu consommes, il n'y a pas de but, il n'y a aucun combat, il n'y a pas... Tu les as fait, les rendez-vous à Pôle emploi? Enfin, tu as cette expérience de justement chercher un travail? On a eu 4 conseillères. 5, pardon, 5. Donc ça ne suit pas, il faut toujours tout expliquer. Il faut... On sort de ces chantiers-là avec rien entre les mains, avec rien. C'est quoi le chantier où tu travailles là en ce moment? Un chantier d'insertion en espace vert. Ça veut dire, tu fais quoi concrètement? Ça veut dire que je fais tout sauf de l'espace vert. Je ramasse des papiers et je peins. On fait soi-disant des restanques, on balance des pierres pour faire tenir une route de terre. C'est n'importe quoi, même moi j'ai pas compris le principe. On devait apprendre le nom des plantes, on devait avoir vraiment un vrai suivi, passer un vrai, avoir l'équivalent d'un diplôme. On a rien de tout cela. Et c'est vraiment décourageant. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, quand je peux me cacher, je me cache. Façon de parler, mais bon, parfois je fais un peu semblant de ramasser parce que je travaille dans un quartier. Bon, malheureusement, les gens, ils jettent tout par les fenêtres. Parce que normalement, t'as quoi après cet épisode de travail et de réinsertion? Qu'est-ce que t'obtiens? Je peux prétendre au chômage. Mais moi, je vais essayer de reprendre un peu mes études. Je vais en profiter pour apprendre un peu les bases et pour passer peut-être mon bac. Parce que si j'ai le bac, ça veut dire que tout m'est permis. Pour moi, parce que moi, je ne serais pas du genre à faire comme certaines personnes. Ouais, quand tu as le bac, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir le bac. Moi, je dis ça à mon fils parce qu'après, tu travailles au McDo. Je préfère pas les entendre. Parce que même si c'est une réalité, eh ben, les gens qui n'ont pas le bac, c'est pas au McDo qui travaillent. Ils ne travaillent même pas. Donc, en plus, je vais faire une belle fête. T'as déjà voté en France? Tu votes? J'ai jamais voté. Et je pense que je vais le faire. Je suis plus à gauche, mais je sais que je voterai pour une personne qui veut le changement, qui va un peu réveiller un peu les gens. Tu penses qu'on a besoin d'être réveillé? Ouais, oui. Ici, on a besoin d'être coup de pied au cul ici. Ouais. Et c'est vrai, hein? Ouais, ici, on a besoin d'être réveillé, et moi le premier. On est un peu paumé ici. Ça m'angoisse un peu. On rêve trop d'avoir ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les clips. On rêve trop ici. On ne sait pas quoi faire sans argent, on ne sait pas quoi faire sans téléphone, on ne sait pas quoi faire sans ordinateur. On a besoin de quelque chose pour être quelque chose, pour être avec quelqu'un. Trop connecté. Par exemple, ici, si un jour il n'y a plus Internet, il y a une révolution ici. Les gens ils se battront pour ça. Et je vois, il y a plus de monde ici à Marseille, il y a plus de monde au stade, même que dans des manifestations. Justement, les gens, ils se moquent. Qu'est-ce que ça va changer? Les gens, ils marchent. Tu trouves qu'il y a de l'ennui? Moi, je m'ennuie parce que je trouve pas des gens comme moi. Sauf récemment, je trouvais des gens un peu sympathiques, qui s'intéressaient un peu aux plantes, aux arbres, à des choses que si j'en parle à n'importe qui, on dirait qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais même, parce que moi, quand je travaille dans le bâtiment, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Des araignées, des plantes et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut l'argent. Il faut l'argent et les femmes. Et c'est tout. Et non. Mais moi, j'aimerais trouver des personnes qui s'intéressent à autre chose. Des personnes avec qui je peux partir faire le GR20. Ou partir, je sais pas moi, dans le désert. Il y a plein de choses à faire. Bon. Bon, la fin, c'est parce qu'après, il raconte son histoire. Et juste pour ajouter, peut-être, mais j'ai pour plus conclure, beaucoup de temps. Ouais, pour oui. Conclure. Pour conclure, je parlais des vieux. Enfin voilà, comment être soi-même dans un vieux monde avec ces vieux schémas où il faut rentrer dans des cases
et où il y en a où tu n'es pas prévu ni attendu. J'ai aussi rencontré pas mal de jeunes gens qui réinventaient en fait justement ces schémas, notamment en milieu ruraux, par exemple autour de Notre-Dame-des-Landes, où on se pose beaucoup cette question de comment on veut vivre. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer un peu du collectif? Est-ce qu'il ne faut pas... Il y a aussi la souffrance de la solitude, d'être seul, un peu séparé. Ça se retrouvait pas mal dans différentes rencontres. Et par exemple, les jeunes paysans que j'ai rencontrés autour de Notre-Dame-des-Landes sont en train de réinventer complètement une façon de faire de l'agriculture qui est complètement différente même de celle de leurs parents quand ils reprennent des fermes. Enfin, donc c'est pas là on a entendu Robin et Mohamed qui sont à Marseille, donc c'est un peu le même milieu, mais en tout cas dans les différents milieux que j'ai rencontrés, il y a toujours cette chose qu'on a envie de réinventer des nouvelles formes et des nouvelles façons de faire, que ce soit de l'agriculture ou que ce soit de la politique, quand c'est des jeunes qui se... Voilà, j'avais rencontré un jeune qui s'est présenté, qui a voulu devenir maire à 23 ans, justement pour faire très très différemment de son prédécesseur qui était là depuis 37 ans et qui pensait qu'il allait mourir dans son bureau en poste et sur scène, quoi. Et donc je pense que... Et tout ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment... c'est pour ça que la ZEP, c'est aussi très important d'éterrer tout ça, parce qu'en fait, il y a énormément d'initiatives, énormément de jeunes gens qui font des choses, évidemment, mais en fait, c'est parfois, ils le font à petite échelle, dans leur quartier, dans leur village, et ils n'ont pas forcément envie d'avoir un porte-voix et de s'adresser aux médias, parce que d'ailleurs, il y a vraiment une méfiance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient me parler quand j'allais les rencontrer. En même temps, et je comprends. Et du coup, je crois que c'est aussi un lien à réinventer entre les médias et ces gens-là pour faire exister et mettre en valeur ce que eux font, quoi. Il y avait une vraie question autour de la représentation des jeunesses dans les médias. Et c'est vrai que... à travers le Bondi Blog aussi, c'est une expérience qu'on vit quotidiennement, mais c'est valable aussi pour plein de publics. La question de la représentation, quelle image est renvoyée dans la presse, dans les plateaux de télévision, sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, qui pars en reportage et nous qui partons en reportage, c'est vrai que c'est souvent très, très compliqué d'avoir leur confiance, parce que... Mais en fait, une des premières questions, ce que je disais, c'est que... Sur la représentation médiatique, ils disaient, mais pourquoi on aurait confiance en toi? Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément la réponse. Enfin, j'avais la réponse dans le sens où je leur expliquais le projet que je voulais faire et que j'avais de l'espace pour les faire parler, donc j'avais... Mais c'est parfois difficile, et c'est sûr que quand on arrive à Marseille après M6 ou après je sais pas qui, ce qui m'est déjà aussi arrivé à l'étranger, à Alger, je comprends les gens, quoi. Enfin, ils disent basta, ils ont l'impression d'avoir été trahis une fois et après c'est fini. Et donc on a vraiment une responsabilité hyper importante quand on est en contact avec ces milieux-là. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment étonnée. Mais c'était partout et tout le temps. Il fallait vraiment convaincre, beaucoup plus que quand je vais à l'étranger, où là, c'est plus marrant de rencontrer une journaliste française. Mais en France, il y a un vrai travail. Oui, c'est une vraie question. Tu parlais, Aurélie, de la capacité, les façons dont certains jeunes arrivent à se parvenir eux-mêmes en réinventant d'autres modèles. Et puis, il y a ceux aussi qui doivent... faire et ouvrir les portes alors même qu'elles leur sont fermées depuis des années. Et c'est ma transition vers Moussa Camara. Merci d'être là. Moussa Camara, vous êtes président de l'association Agir pour réussir. C'est une association que vous avez créée en 2007 et qui a commencé à œuvrer pour la citoyenneté à Cergy et qui aujourd'hui œuvre à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et puis vous êtes aussi présidente des Déterminés. Je trouve ça très beau comme nom de club, un club de jeunes entrepreneurs que vous avez donc lancé en associant le MEDEF. Et le but, en fait, est d'aider les entrepreneurs des quartiers en leur faisant bénéficier de conseils de professionnels, de réseaux installés, tout cela pendant 5 semaines de formation. Alors ma question, elle est très simple, puis on va vous laisser prendre la parole. Parlez-nous d'abord de votre parcours et puis de ce que vous avez réussi concrètement à mettre en place à Cergy avec les jeunes entrepreneurs. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais me rapprocher. Ouais. Déjà, bonjour à tous. Voilà, c'est bon, parfait. Déjà, bonjour à tous. Ouais, moi, aujourd'hui, je suis là devant vous, mais mon parcours, il est assez
on va dire, il est peu conventionnel et un peu atypique, parce que rien ne me laissait penser, il y a quelques années de cela, que je porterais un projet ambitieux pour la réussite de nos jeunes, notamment dans nos quartiers. Et ça a commencé en 2007, dans mon quartier de la Croix-Petite, à Cergy, qui est en pleine rénovation urbaine. On subissait un gros programme en rue. Le quartier allait être détruit pour être reconstruit. Et à cette même période, il y a un jeune qui a reçu une balle tirée par les forces de l'ordre à l'épaule. Donc c'est parti un peu en affrontement et tout, etc. Et en fait, la réponse, elle n'a pas été associative. Nous, on n'avait à l'époque aucun modèle associatif autour de nous, dans notre quartier. On vivait vraiment dans un quartier qui était vraiment enfermé, quoi, on va dire un petit peu. Et c'est vrai que le seul rapport qu'on avait avec nous, les valeurs de la République, c'était l'école qui était dans le quartier, et quand il y avait une voiture de police qui passait en plein milieu du quartier, quoi. C'était le seul rapport qu'on avait, mais sinon, voilà, on vivait entre nous. Et voilà, avec toutes les difficultés que, notamment dans plusieurs quartiers, on connaît aujourd'hui. Et il y a eu ce fait-là, et très vite, nous, ça nous a interpellés. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Au début de la création de l'association, j'avais aucune expérience associative. En même temps, moi, je sortais des cours, je venais de terminer mon bac pro logistique, etc. Tout de suite, quand il y a eu ces faits-là, moi, on est venu me chercher dans le quartier, un certain nombre d'amis, en me disant, voilà, il fallait qu'on crée une action assez positive et lancer une dynamique. À la base, au départ, on voulait changer les choses en bas de notre immeuble. Et finalement, on s'est retrouvé à commencer à proposer des solutions et lancer une dynamique positive autour de notre quartier. Très vite... C'était au départ une initiative plutôt citoyenne. C'était, dans un premier temps, une initiative, on va dire, on va appeler ça citoyenne, même si nous, on ne le voyait pas encore comme citoyenne, cette initiative. Mais on le voyait plus. Voilà, aujourd'hui, voilà, on est dans ces quartiers-là depuis très longtemps. Ça fait des années que les mêmes difficultés sont réunies. Nous, on était plus petits, on regardait les plus grands à l'époque. Aujourd'hui, c'est nous. Les plus petits nous regardent. Demain, ça va être eux. Donc, on s'est dit, voilà, comment on essaie de faire une action qui va lancer une dynamique positive et qui va interrompre ce processus de répétition entre les générations. Donc voilà, ça a été l'associatif. Très vite, on a commencé à lancer notre mouvement associatif qu'on a appelé Agir pour réussir. Et la première action qu'on a faite, déjà, c'était l'obtention d'un gymnase, un équipement sportif, pour que tous les jeunes puissent se retrouver entre eux, pour se parler, pour faire des tournois, etc. C'était peu, c'était insignifiant, mais pour la première fois, nous, on avait obtenu quelque chose de concret par rapport à notre ville. Mais ça s'est passé dans un temps particulier. Ça s'est passé, ouais. C'était juste avant l'élection municipale de 2008. Avant l'élection municipale de 2008, entre l'élection présidentielle de 2007 et les municipales. Et on voyait les municipales arriver, on voyait qu'à un moment donné, on voulait nous cantonner uniquement sur notre quartier. On voulait nous faire porter une représentation de jeunes issus de quartiers qui se montent en collectif. Et nous, on voulait sortir de ça en réalité. On s'est dit, voilà, toute notre vie, on a grandi avec les mêmes personnes. Là, le but et l'opportunité en créant cette association, c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, rencontrer des personnes qui ne venaient pas forcément du même milieu que nous, mais à côté, ça nous enrichit, ça permet aussi aux autres d'avoir une autre vision sur notre jeunesse, etc. Donc la première action qu'on a voulu mettre en place, c'était une émeute citoyenne. Une émeute citoyenne, ça consistait à mobiliser des centaines et des centaines de jeunes pour qu'on aille tous s'inscrire en même temps sur les listes électorales. Voilà, le but, c'était de dire aujourd'hui, on existe, on est là, et on veut participer au débat public de notre ville, on veut participer à ce qui se passe autour de nous. Donc, quand on a fait cette action, tout de suite, la posture qu'on avait avant et après, elle a changé. Et après ça, on s'est occupé beaucoup du champ social, autour des habitants, autour de notre quartier, autour de toute la ville. Et petit à petit, notre action a pris de plus en plus d'ampleur. C'était pas quelque chose qui était calculé, c'était vraiment... on saisissait les opportunités, on voyait aussi certaines difficultés qui étaient autour de nous, des problématiques qu'il y avait autour de nous. Et on s'est dit, voilà, par rapport à ça, on essayait, nous, d'apporter des solutions avec les peu de moyens qu'on avait. Et finalement, voilà, on s'est occupé petit à petit du champ social, du champ culturel. On a commencé à rencontrer aussi
plein de personnes et tout. Et l'ouverture, nous, notre chance, ça a été, à un moment donné, on s'est posé cette question de dire, voilà, si on serait resté qu'entre nous, je pense que l'association, elle n'aurait pas eu un tel développement en si peu d'années. Nous, la réussite aussi de notre succès, ça a été cette ouverture vers l'extérieur, en fait. De ramener nos jeunes dans des endroits qui n'étaient pas forcément leur lieu. Par exemple, prendre des groupes de jeunes, aller sur Paris à des événements, dans des musées, dans des trucs comme ça et tout. Bah, nous, c'était des choses qu'on faisait avec l'école, finalement. Mais il n'y avait pas toute cette pédagogie, cette participation, cette construction dans notre propre ville. Quand on faisait des événements avec des opérations, avec des associations d'habitants qui étaient tous plus âgés de 60 ans et on partageait des choses. Déjà, nous, on apprenait de eux, eux, ils apprenaient de nous. Et ça aussi, ça permettait aussi d'avoir une autre ouverture qu'on avait, nous, à l'époque, uniquement centré sur les mêmes réseaux, sur les mêmes personnes. Ça, ça a été un plus. Et après, il y a eu tout cet aspect où le fait de sortir, de rencontrer, de discuter avec des personnes et tout, ça, ça nous a apporté beaucoup parce qu'on a rencontré un jeune américain qui venait faire une conférence à l'université devant des jeunes et tout. Et on a discuté tout de suite, on a commencé à échanger et tout. Il a voulu nous rencontrer, savoir un petit peu l'association et tout. Et il m'a invité, moi, aux États-Unis. Et je suis allé aux États-Unis, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Je faisais un stage dans une grosse fondation qui n'était même pas 2 minutes de la Maison-Blanche. Et moi, c'était un autre cadre. Et j'allais au congrès, j'allais à l'ambassade, j'allais à la Maison-Blanche, j'allais un peu partout et tout, etc. Et ça, ça m'a permis d'avoir une ouverture qui était beaucoup plus importante, la relation avec les institutions, de voir aussi là-bas les opportunités qu'ils avaient, que nous, forcément, on n'avait pas forcément en France, cet attachement aussi à la nation, que nous, on avait un peu plus de mal à l'époque. Et aussi, je suis allé dans les prisons et dans les ghettos pour comparer, en fait, savoir aussi ce qui fonctionnait là-bas et ce que j'ai vu là-bas. C'était assez compliqué pour moi parce que c'était la première fois, moi, je voyageais dans un pays occidental autre que la France. J'avais même les pays voisins autour, je n'y allais pas. Et moi, à chaque fois que je voyageais, c'était pour aller en Afrique, vu que je suis originaire d'Afrique, mes parents sont originaires d'Afrique. Donc, pour moi, c'était la première fois d'être parti dans un pays qui avait à peu près la même ressemblance que la France, quoi. Et c'est vrai, quand je suis allé dans les ghettos, là-bas, et dans les prisons, j'ai été confronté à une certaine réalité que jamais j'ai été confronté en France. De l'autre côté, je voyais le rêve américain, les gens, que ça allait très très vite, partout, vous pouvez voir des jeunes à des postes de haute responsabilité, des noirs, de toutes les origines, toutes les cultures, ça posait aucun problème. Mais de l'autre côté, on voyait une minorité qui était enfermé à même pas 10 minutes de la Maison Blanche, etc., dans des quartiers où il n'y avait aucun espoir de réussir. Aucun espoir. Et là, un jour, je pars avec une personne qui travaille dans la fondation, qui s'occupe vraiment de ces publics-là, qui s'appelle Curtis, il me ramène avec lui, et on rencontre en fait au tribunal une mère de famille qui sort du tribunal toute dépitée. Elle me dit, ouais, je viens d'être au tribunal au jugement de mon fils qui a 14 ans, il vient d'être condamné pour meurtre et j'ai un autre fils qui est déjà en prison, qui avait 18 ans je crois, et qui était aussi en prison pour meurtre, une autre fille je crois de 17 ans qui attendait son troisième enfant, elle était accro au crack et elle se faisait battre par son mari qui était un alcoolique. Donc la réalité que j'ai pu subir là-bas, j'ai jamais été confronté à une telle réalité. Partout où je suis allé, dans plusieurs quartiers en France, et je me suis dit à un moment donné, en réalité, j'étais spectateur d'un désespoir que j'ai jamais rencontré. Et c'est là que je me suis dit, en réalité, nous en France, on n'est pas arrivé encore à ce degré de désespoir, en fait. Et je me suis dit, en réalité, on a tant de choses à faire, on s'en rend même pas compte. C'est vrai qu'il y a des difficultés dans nos quartiers qui sont nombreuses, mais on n'est pas encore à cette étape-là. Donc quand je suis revenu un peu en France et tout, j'ai essayé je suis revenu un peu avec de l'énergie, de dire à un moment donné, on peut réussir encore plus à faire ce qu'on fait, on peut déployer encore plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai organisé un voyage où j'ai pris des jeunes qui venaient de ces quartiers un peu partout, de différents milieux, cultures, politiques, et aussi dans ces quartiers. Je les ai fait venir à Cergy,
Et pendant 10 jours, ils ont pu rencontrer des jeunes, rencontrer, discuter, etc. Et j'ai aussi ramené des jeunes de Cergy aux États-Unis pour qu'eux aussi se confrontent aussi à cette réalité. Et quand ils sont revenus ici, eux aussi, ils avaient changé d'état d'esprit totalement. Et leur vision aussi, pareil, comme moi, quand je suis allé la première fois. Et tout de suite, voilà, on était dans une optique où nous, aujourd'hui, si on parle des quartiers, on parle des difficultés, il faut en parler en étant... Il faut arrêter d'être pessimiste. À un moment donné, il faut qu'on soit optimiste, de dire, voilà, c'est difficile, c'est dur, mais on peut y arriver, on a toutes les chances pour réussir. Justement. Et parler de positif, moi, aujourd'hui, depuis un moment que je milite un peu pour qu'il y ait plus de place pour notre jeunesse et pour nos quartiers, mais je vois aussi parfois, surtout les discours un peu des anciens qui sont un peu pessimistes, qui disent, ouais, ça fait 30 ans, 40 ans, on se bat, ça avance pas. Nous, on a une responsabilité en tant que représentants associatifs de nos milieux, c'est-à-dire... Voilà, il y a des jeunes qui nous regardent, on travaille avec la jeunesse, on travaille avec les générations qui, eux, plus tard, auront peut-être des responsabilités à prendre. Nous, on a une responsabilité de notre côté, c'est aussi d'avoir un message d'optimisme, un message positif qui redonne de l'espoir pour faire en sorte que nous, le travail qu'on puisse faire, il puisse forcément impacter, avoir un peu d'impact autour de nous pour que les générations qui arrivent après puissent voilà, enclencher un travail positif. Mais vous en avez déjà un peu de l'impact. Parlez-nous des, de la démarche entrepreneuriale que vous avez mis en place avec EAG pour réussir et déterminer. D'accord. En fait, nous, comme je vous ai dit, depuis de nombreuses années, on s'est battu pendant longtemps pour qu'il y ait plus de justice sociale, plus de justice sociale dans le quartier et dans nos quartiers. Et on savait qu'à un moment donné, pour qu'il y ait plus de justice sociale, il fallait qu'il y ait une justice économique. Donc on a commencé à s'occuper, nous, de l'insertion professionnelle de nos jeunes en se mettant en relation avec le Pôle emploi, l'émission locale et tout. Et à bout d'un moment, on a vu qu'on ne parlait pas le même langage. Ou quand on envoyait des jeunes, ils revenaient un peu frustrés de leurs aventures là-bas. Et malgré la bonne volonté de... Souvent, on dit le Pôle emploi, il ne sert à rien. Mais moi, j'ai rencontré des conseillers qui étaient vraiment plus qu'investis dans leurs tâches. Mais malgré ça, il y a le poids de l'administration qui permet de ne pas aller assez loin. Donc tout ça, nous, par ce constat, on s'est dit, voilà, on va arrêter de jouer le rôle de sourcing. Finalement, on va aller taper dans les portes directement des entreprises. On a organisé quelques débats pour échanger avec des dirigeants d'entreprises où ils sont venus dans nos quartiers faire des conférences avec les jeunes, le savoir-être, le savoir-faire et tout en entreprise. Et derrière, les jeunes ont exprimé aussi leurs difficultés qu'ils avaient pour accéder à un emploi. Je reprends tout à l'heure les interviews. C'est les mêmes difficultés qu'on a pu rencontrer que les audios qu'on a entendus tout à l'heure. Et ça a pu créer un dialogue, en fait, entre deux mondes qui ne se connaissaient pas, le monde de l'entreprise des quartiers populaires. Et derrière, ça a déclenché des emplois où nous, on jouait ce rôle de sourcing, mais de suivi aussi derrière du jeune, parce que les jeunes qu'on recommandait avaient plus de chances de, quand on le recommandait, quand il y avait un suivi, que l'embauche se passe bien à 99%, on n'a eu presque aucun échec, et tout s'est bien passé, finalement ça a débouché à une trentaine d'emplois. Une fois qu'on s'est occupé de ça, on s'est dit à un moment donné, dans les quartiers populaires, il y a plus de 45% de chômage dans certains quartiers. Il y a une envie d'entreprendre qui est assez forte, un peu plus que la moyenne nationale, et ces chiffres-là, tout le monde les connaît, et à un moment donné, comment accompagner en fait toute cette dynamique qu'il y a, entrepreneuriale qu'il y a dans nos territoires. Et on a commencé à réfléchir sur la question. On a commencé à faire appel aux réseaux d'accompagnement qui sont sur les territoires, à la chambre de commerce, etc. Il n'y avait pas une vraie volonté, en fait, d'agir, en fait, dans ce sens-là. Eux, ils se disent, ouais, si vous avez des jeunes, vous les envoyez, puis c'est tout. Nous, on s'est dit, voilà, on n'est pas là pour jouer ce rôle de sourcing. Et parce qu'eux, ils parlent dispositif. Dispositif. Et nous, on parle humain. Mmh. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le projet... humain du jeune, c'est lui, c'est sa personne qui nous intéresse. Et moi, il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Pierre Gattaz, avec qui on a discuté. Moi, je ne connaissais pas du tout le MEDEF, Pierre Gattaz, etc. J'étais invité au vœu du Sénat à l'époque par une sénatrice qui était sur notre territoire et qui nous avait invités avec l'association. Et on discute, ils nous discutent, on parle de l'entrepreneuriat, des jeunes, etc., des quartiers, etc. Et il vient du 95, hein, qui... Pierre Gattaz. Ah, je sais même, oui. Je sais même pas. Ah ouais, et après, par rapport à ça, on discute de tout ça. Et dis-moi, ça m'intéresse, je veux qu'il y ait de l'énergie et tout, je vois qu'il y a de l'énergie, et je veux qu'on travaille ensemble. Bon,
sa proposition, je lui dis ok, on se revoit, on essaie de se voir et discuter sur ce qu'on pourrait faire. Donc pendant un an, on s'est vu, on a échangé, etc. Et j'ai décidé de l'inviter à Cergy, devant plus de 200 entrepreneurs, où il a fait une conférence et ça a échangé. Et lui, il a été marqué parce qu'il a vu qu'il y avait un impact fort, en fait, des entrepreneurs. Et lui-même, il se dit, on a craint de louper un coche parce que c'est des entrepreneurs comme tout le monde. Et ce n'est pas des entrepreneurs de quartier. À un moment donné, ils doivent être aussi inclus dans l'écosystème économique du pays. Donc, comment on essaie de trouver une collaboration pour faire en sorte que travailler sur le développement économique des quartiers. Et on a réfléchi et nous, on a mis en place une formation qu'on appelait la formation des déterminés. Et en fait, cette formation, elle a pour but de mettre le pied à l'étrier à n'importe quel jeune qui souhaiterait entreprendre. Voilà, démocratiser l'entrepreneuriat. Parce qu'autour de nous, on voit qu'il y a plein de jeunes qui ont le profil entrepreneurial ou qui ont une idée ou un projet ou qui veulent entreprendre, mais ils se mettent des freins parce que forcément, ils n'ont pas forcément les financements, ils n'ont pas le réseau, ils se disent que ce n'est pas pour eux. Donc tout ça, nous, on avait tout ça dans nos réseaux. On s'est dit, voilà, à un moment donné, on va mettre une formation pour permettre à ceux qui veulent devenir entrepreneurs de les pousser. Et donc là, vous en êtes à la combienième promotion? Et on a lancé la première promotion pilote où on a formé 15 jeunes pendant 5 semaines et un accompagnement de 9 mois. À l'issue de cette première formation, il y a eu 8 créations d'entreprises dans différents domaines. Et pour nous, c'était plus que des résultats attendus. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et là, on a relancé, il n'y a pas très longtemps, la deuxième formation qui vient de s'achever. On a fait la remise. Et là, donc, les 8 premières entreprises existent toujours ? Existent toujours, fonctionnent. On travaille même dans le cadre de la formation avec certaines de ces entreprises qui nous proposent des prestations, que ce soit dans l'alimentation, dans le coaching, dans la formation, dans le télécom, etc. Donc, ils interviennent, ils font partie aussi de ce projet-là, partie prenante. Et c'est important. Nous, on sait qu'à la finalité, tous les jeunes ne deviendront pas entrepreneurs. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent changer de posture, d'être dans une démarche un peu plus proactive, qui va leur permettre que même demain, s'ils retournent au salariat, ou si demain, ils veulent retourner au salariat ou veulent entreprendre, ils ont une posture un peu plus déterminée, de l'énergie un peu à revendre et tout. Et ça, c'est important, le but de ce projet-là, parce qu'on prend, pour la plupart des fois, c'est des jeunes qui sont coupés du monde du travail, qui sont en échec scolaire totalement. Mais nous, le fait qu'on connaît, on a cette connaissance du jeune et con, de repérer en fait le jeune sur un seul critère, c'est sur la détermination et son envie. Peu importe ses compétences, ses diplômes, les critères sélection, son projet, peu importe, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment lui et sa capacité à être déterminé à aller jusqu'au bout de son projet. Et ça, nous, c'est ça qui nous parle le plus parce que voilà, aujourd'hui on est dans un pays où on parle beaucoup de diplômes, il faut avoir des diplômes pour tout faire, on ne fait pas forcément confiance à la jeunesse parce qu'on dit qu'elle n'est pas compétente ou elle n'a pas d'expérience, etc. Donc nous, on sait qu'il y a des jeunes, le monde il est en train de changer. Les start-up, les plus grosses start-up, quand vous regardez, que ce soit les Facebook, les Google, les tout, ça c'est des jeunes qui l'ont créé, des gens, ils n'avaient même pas 30 ans. Donc il y a un vrai potentiel, il y a une vraie énergie. Donc nous, le but, c'est de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes-là qui sont déjà bourrés de talent, qui sont compétents, etc. Et de leur dire, ouais, vous aussi, vous pouvez. Vous pouvez créer une entreprise, une grosse entreprise, comme une petite, mais vous pouvez créer même être les futurs entrepreneurs de demain. Et on va vous donner les clés là-dessus. Parce que nous, on est persuadés qu'à un moment donné, la réussite économique de nos quartiers fera que notre pays puisse réussir et s'en sortir par le haut. Et ça, c'est important pour nous. Donc voilà, un entrepreneur qui réussit dans son quartier, crée une dynamique économique, et ça forcément, ça créera de la richesse. Ça développera aussi de l'emploi sur les territoires parce que lui, il sera amené à faire confiance à des jeunes que personne ne fait confiance. Et aujourd'hui, là, on a terminé la deuxième promotion. Je vois, il y a Karim qui est là avec Sharon, qui ils ont fait partie de cette deuxième promotion. Et voilà, ils peuvent vous parler de leur expérience eux-mêmes. Mais voilà, ça change, quoi. C'est vraiment un impact. Moi, j'ai envie de vous applaudir. Voilà. Merci et bravo. Merci. On va passer à une petite série de questions-réponses avec la table entre nous, échanger de manière informelle. Je vais vous poser des questions et puis à vous de rebondir. Vous venez d'en parler, Moussa. Il y a un vrai problème de confiance. Est-ce que Camille avait abordé la problématique autour des baby-boomers, cette génération des baby-boomers aujourd'hui qui a 60 ans ?
Oui, aux alentours de 60 ans. Est-ce que finalement, le fait que les jeunes, les jeunesses d'aujourd'hui ont du mal à trouver leur place, au-delà des modèles qu'ils veulent réinventer et qui sont compliqués dans un système un petit peu figé, est-ce que ce n'est pas dû aussi au manque de confiance de ces baby-boomers envers ces jeunes, peut-être même de la méfiance, parce que une génération arrivant plus compétente, polyvalente, travaillant plus vite aussi. Nous, on le voit peut-être aussi dans nos milieux, notre milieu médiatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, être journaliste, ça veut dire savoir écrire, savoir filmer, savoir photographier, savoir faire des conférences. Et alors que c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, chacun était cantonné un peu dans sa spécialité. Est-ce que le problème, il n'est pas aussi dans la confiance de cette ancienne génération envers cette nouvelle génération à qui on ne veut pas vraiment donner une place de peur de se la faire piquer ? Je me lance, même si c'est pas une question facile. Hein. Non, mais après, au-delà des éléments scientifiques. Justement, moi, je suis chercheur, donc j'en ramènerai justement à des éléments scientifiques. Je n'ai pas d'éléments sur un climat de confiance d'une génération vers l'autre ou pas. Donc, moi, ce que je dirais deux choses. La première, c'est que, comme l'a dit d'ailleurs Camille, la question de la place des générations entrantes et la place des générations entrantes à des postes de pouvoir, elle est quand même fortement conditionnée par la dynamique sociale et économique dans laquelle ils arrivent. Donc, c'est vrai que depuis 30 ans, voire plus, on connaît une absence de dynamique. Hein. On a une économie qui vivote et donc on a moins de nouveaux postes de pouvoir, les flux d'entrée se réduisent et donc du coup la structure tout entière vieillit parce qu'il y a moins d'opportunités de rentrer au départ. Donc il y a un effet de crise et un effet de la crise et qui va au-delà de, des sentiments qu'une génération peut porter à l'autre ou inversement. On pourrait même dire que ces effets de structure, ils ont cette structure et cette dynamique de structure, elle a peut-être aussi un effet justement d'un point de vue de la subjectivité. Mais bon, ça resterait à voir. Parce qu'en fait, une structure sociale, elle se renouvelle par la base. Et si à la base, les opportunités se compressent, ça fait forcément une structure qui vieillit et voilà, des pesanteurs. Ça, c'est clair. Et puis, deuxième chose, c'est que là aussi, j'en reviendrai quand même à une analyse aussi un peu plus fine. En termes d'inégalité intra-générationnelle. C'est-à-dire que je pense que si absence de confiance il y a, c'est notamment envers des jeunes de quartiers populaires, des classes populaires. Voilà, il y a quand même une situation spécifique. Je ne me fais pas trop de soucis pour les sortants de Sciences Po et les rejetons de Pierre Gattaz. Je pense que pour eux, la confiance sera relativement vite attribuée. En revanche, je pense qu'il y a un problème de rapport de classe aussi hein, dans une société qui, comme l'a dit Aurélie, aussi, et notamment à l'école, est assez ségrégée. Quoi. Voilà. Donc ça me semble être un élément important de compréhension. Pareil, sur les confiances d'une génération envers l'autre ou d'une classe d'âge envers l'autre, j'ai pas énormément d'éléments à rajouter. Mais je dirais deux choses quand même sur l'enjeu de la confiance. D'une part, il y a en termes de comparaison internationale notamment, il faut aussi voir donc l'état de confiance globale d'un pays dans lequel s'insèrent les jeunes, parce qu'on ne peut pas comprendre aussi la confiance qu'on a envers les jeunes et la jeunesse. La confiance qu'a la jeunesse dans le pays en général, sans voir le climat global de confiance qu'on a dans un pays. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de comparaison internationale, les taux moyens de confiance sont plus élevés dans les pays où on a des systèmes de protection sociale plus universels, les plus universels, d'une part, et dans les systèmes où, dans les pays où les systèmes éducatifs sont moins élitistes, sont plus égalitaires, etc. Ce qui fait qu'en fait, ça crée des dynamiques en fait beaucoup plus
des relations plus horizontales en fait entre les étudiants, les élèves, etc. Beaucoup moins verticales comme ce qu'on a en France où c'est donc très élitiste. Donc les pays nordiques en gros, c'est ça, Danemark, Finlande, voilà, Norvège. En gros, c'est ça. Mmh. Donc c'est les pays où il y a les taux de confiance les plus élevés et que du coup ces deux éléments, à la fois protection sociale plus universelle, système éducatif plus égalitaire et avec une importance des corps intermédiaires, des syndicats, des même des organisations. Les organisations des entreprises, etc. Dans les pays où les corps intermédiaires sont plus investis dans la vie publique, les taux de confiance sont aussi plus élevés parce que du coup, il n'y a pas un face-à-face direct entre l'État et les individus. Donc, voilà, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, donc là, pas au niveau global de la société, mais du point de vue des individus et notamment du point de vue des jeunes. En fait, je voyais une étude là, il y a quelques jours, en fait, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et pour revenir encore à la diversité au sein des classes d'âge et des générations, qu'en fin de compte, c'est la confiance qu'ont les jeunes dans le futur et dans le marché du travail pour leur intégration, etc., est fortement déterminée principalement par le diplôme. Donc plus moins on va être diplômé, moins on va avoir confiance en l'avenir, c'est assez intuitif. Et donc dans les systèmes éducatifs, là je reviens à ce que je disais, dans les systèmes éducatifs du coup plus inégalitaires, et ben, du coup ça a un impact sur les niveaux de confiance qu'ont les jeunes envers le système et leur avenir. Et symétriquement, en fait, dans l'étude que je voyais, en fait, c'était dans les désirs de changement de la société. Et qu'en fait, du coup, les désirs de changement de la société provenaient principalement donc, des milieux où le diplôme était moins évident, puisque en fait, il y avait plus de craintes dans l'avenir, donc une volonté de changer la société. Alors qu'en fait, les milieux les plus réactionnaires, entre guillemets, dans le sens où c'était en faveur du statu quo, étaient du coup les milieux, enfin, les jeunes les plus diplômés, puisque c'était les jeunes du coup qui n'avaient pas peur de l'avenir, qui avaient confiance dans leur avenir, dans la mesure où c'était eux qui réussiraient à rentrer plus facilement sur le marché du travail. Voilà, donc garder cette idée de diversité de la jeunesse. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au témoignage que j'ai recueilli. C'est cette même idée de diversité, je crois, à l'intérieur de... Enfin, on n'est pas tous égaux, je pense, devant la confiance qu'on peut nous accorder. Et en effet, on n'a pas confiance... on n'a pas confiance aux gens qu'on ne connaît pas ou qu'on a l'impression de ne pas connaître, en fait. Et donc, qu'on a l'impression, qu'ils sont étrangers. Et je pense juste, évidemment, bon, c'est un grand débat, mais j'ai rencontré une jeune femme qui est voilée, qui a bac plus 5, qui a fait un master en France, à Londres, enfin bon. Et elle a du mal à trouver du travail. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un problème de confiance, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose. On a l'impression qu'on ne connaît pas, que c'est étrange, que c'est autre chose. Et même elle, il y a aussi un truc de confiance en soi. Pour le moment, par exemple, cette jeune fille, elle disait, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas candidaté à des postes qui correspondent à mon niveau, enfin qui correspondent à, je vais toujours vers des choses un peu plus basses. Donc c'est dans les deux sens, mais il y a aussi, je sais pas si c'est cette nouvelle génération, mais c'est à l'intérieur de cette génération des gens nouveaux qui débarquent Après pour c'est vrai que pour les personnes qui portent le voile, il y a encore un autre problématique. Mais c'est en règle générale. On a l'impression que c'est étranger qu'on connaît pas et donc on fait pas confiance quoi. Moussa, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Non. Je pense que j'ai laissé parler. Nous, au Bondiblog, on rencontre souvent des jeunes qui nous disent en fait qu'ils ne sont plus du tout intéressés par le salariat. C'est-à-dire que le salariat ne correspond plus, pour beaucoup d'entre eux, à ce qu'ils se font de leur avenir professionnel, parce qu'ils considèrent que le salariat les formate trop, qu'il faut appartenir à des cases, rentrer dans des moules, et que voilà, ils estiment qu'ils ne rentrent pas dans ces moules-là, de par leurs origines sociales, de par leur envie professionnelle aussi, leurs envies, leurs motivations, leurs aspirations professionnelles. Et en même temps, la société française n'est pas encore mature, prête à s'adapter à ça. Quand on est jeune aujourd'hui et qu'on veut trouver un logement, on nous demande un CDI. Quand on veut faire un prêt à la banque, on nous demande un CDI. On nous demande d'être parfois propriétaire.
C'est quoi l'enjeu dans les prochaines années, selon vous, par rapport aux recherches que vous faites, par rapport aux témoignages que tu as recueillis, Aurélie, par rapport aux jeunes aussi que vous coachez à l'association? C'est quoi l'enjeu les prochaines années sur cette question du rapport travailleurs indépendants, pour faire court, freelance, une société de travailleurs indépendants versus société de salariat, comme est le modèle encore aujourd'hui, ouais, par rapport aux jeunes? Bah moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une nouvelle forme, une nouvelle génération. Aujourd'hui, voilà, peut-être que les générations qui arrivent veulent plus devenir entrepreneurs qu'être salarié. Après, c'est ce que vous voyez, vous, au quotidien, dans l'association, les jeunes que vous connaissez C'est aujourd'hui, déjà, nous, on a une double... Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui sont dans un emploi depuis très longtemps et qui se disent, voilà, je suis dans un emploi, je crois que j'ai aucune perspective d'évolution, parce qu'il faut parler aussi de la discrimination et tout, qui existe réellement dans les entreprises. Donc, finalement, le jeune, quand il sait qu'il n'a plus de perspective d'évolution, finalement... Il veut sa liberté et créer peut-être son propre emploi. Le fameux plafond de verre. Il y a deux jeunes qui n'arrivent pas forcément à trouver un emploi et ils se retrouvent, voilà, à un moment donné, je vais créer ma propre entreprise pour avoir plus de liberté. Et au-delà de ça, même, je pense que c'est une nouvelle forme. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme. Les temps, ils changent. Aujourd'hui, c'est fini l'époque où tout le monde voulait devenir salarié, etc. Je pense que dès le parcours scolaire, il y a des jeunes déjà dans des écoles, il y a de plus en plus d'incubateurs qui se créent, que ce soit dans les grandes écoles ou pas. Dès les études, tout de suite, ils veulent créer à peu près leur start-up, leur entreprise, etc. Donc je pense que c'est une nouvelle forme, une nouvelle révolution, une nouvelle forme qui est en train d'évoluer. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas opposer les deux. Aussi bien, il faut protéger aussi le monde du salariat, etc. Et tout. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter que les temps changent et qu'il y a une génération aujourd'hui qui se lance plus et qui sont plus amenés à devenir entrepreneurs et se lancer de plus en plus tôt que devenir salarié. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer les deux. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et à un moment donné, il faut accepter que les nouvelles générations qui arrivent changent aussi de logiciel. Et je pense que, voilà, moi, c'est... Est-ce que la société est prête? La société, je pense qu'il faut qu'elle s'adapte. Akito? Sur cette histoire de l'entrepreneuriat des jeunes, et notamment des jeunes issus d'immigration, je signale les travaux de quelqu'un de mon laboratoire qui s'appelle Mohamed Madoui, qui a beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat des jeunes et des jeunes issus d'immigration, et notamment quand ils se ressaisissent aussi de leurs origines pour créer un marché. Enfin, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Ouais. Mais ce qui montre, Moussa l'a souligné aussi, c'est que un certain nombre de ces désirs d'entreprendre, de se mettre à son compte, etc., c'est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, sont quand même le résultat aussi d'expériences très difficiles dans l'entreprise, du point de vue des conditions de travail, de la précarité, etc. Et que c'est une forme aussi de réaction de rejet et de dégoût par rapport à au salariat qu'ils ont vécu, qui est un salariat de seconde zone et de sous-droit. Hein. Robert Castel parle du précariat, donc cette espèce de classe sociale. Voilà, et c'est souvent en réaction à ce précariat plutôt qu'au salariat, je pense, que se construisent ces... Le salariat dans la forme où ils l'ont vécu, du coup. Voilà, voilà, c'est ça. C'est un salariat très spécial qui est dans lequel les droits sociaux sont détricotés. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que avec le temps, ces jeunes qui deviennent un peu moins jeunes se rendent compte aussi que les conditions sur le marché des affaires, quand on entreprend, ne sont pas forcément plus enviables que les conditions dans l'entreprise, parce que c'est dur de se faire une clientèle, c'est dur de monter son affaire, parce que les mêmes problèmes de confiance qui se posent dans l'entreprise se posent par rapport aux clients aussi. Donc c'est pas... avec en plus le problème que quand on est entrepreneur, et aujourd'hui on sait le succès qu'a eu le statut d'auto-entrepreneur, et combien les entreprises, aussi les grosses boîtes,
essayer de pousser leurs propres salariés à se mettre en auto-entrepreneur, qui deviennent des sous-traitants de ces boîtes-là. Le problème, c'est que quand vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, vous n'avez pas de droits. Quand vous n'avez pas de boulot, quand vous n'avez pas de clients, eh ben, c'est la dèche de la dèche, quoi. Donc moi, autour de la question de l'entrepreneuriat et de l'évolution du salariat, c'est comment penser des nouveaux droits sociaux. Tout à fait. C'est en ça que je disais que la société n'était pas adaptée. C'est que le modèle social ne l'est pas non plus. Oui, voilà. Et à mon avis, voilà, ça transcende les questions de génération. Et c'est en effet repenser peut-être la protection sociale pour donner un statut social à ces moments de vie éventuellement qui sortent du salariat classique. Tom, pour conclure rapidement. Oui, très rapidement, parce que du coup, Léa a dit tout ce que j'avais à dire de toute façon. Donc, mais juste pour rebondir aussi sur ce que disait Moussa, l'idée que le rapport, comment dire, la volonté grandissante des jeunes pour aller à la marge du salariat vers d'autres statuts d'emploi et d'autres formes d'activité, etc., c'est à la fois un rejet, comme disait Léa, effectivement, d'une expérience qui n'est pas un salariat très attractive, voilà, et donc des formes plutôt négatives de salariat, mais c'est aussi le fait que le rapport au travail change énormément pour les jeunes générations, donc ce que disait Moussa, et qu'il y a beaucoup d'études du coup qui soulignent bien ça, que le fait que les nouvelles générations sont porteurs de nouvelles normes et de nouvelles valeurs, etc., et qu'elles sont beaucoup moins réceptives à des rapports hiérarchiques qu'on peut trouver notamment dans les entreprises classiques, et que du coup on a un rapport au travail qui commence à changer, et que du coup l'expérience peut aussi être négative à ce niveau-là, au-delà de l'emploi en fait qui est occupé, c'est dans les mécaniques d'interaction interpersonnelle en fait au sein de l'entreprise qui peut être mal vécue, et que du coup on se dit on va faire autre chose en fait tout seul avec rôle aussi du salarié au sein de l'entreprise, les responsabilités qui lui sont données, souvent les non-responsabilités qui lui sont données, tout ça aussi joue effectivement. Merci à vous pour la qualité de vos interventions. Merci des échanges. Et je laisse la parole à Isabelle, c'est ça ? On va prendre des questions. Donc, si vous avez des questions sur... après toutes ces discussions, j'ai un micro. Il faut prendre le micro parce que je vous rappelle que tous les débats sont enregistrés. Et que dans quelques jours, dans un petit délai, vous pourrez les réécouter sur le site de la BPI, sur la web TV ou web radio. Donc, y a-t-il des questions ? Il y a trop de mains en même temps. Trop. Le début, c'est toujours comme ça. Il faut choisir. Qui va se lancer ? Voilà. Merci. Le début, c'est toujours comme ça. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, ce serait plutôt pour savoir, par rapport à ce qu'on disait au sujet du salariat chez les jeunes, et qu'en effet, quand on est jeune, on a des moyens de revenus qui sont du salariat de seconde zone, comme vous disiez. Est-ce qu'il y a des données qui pourraient nous dire si, finalement, dans ce que gagnent les jeunes aujourd'hui, il y a davantage de jeunes qui gagnent par du salariat de bas étage, ou alors plutôt par des espèces de moyens souterrains de bosser pour son voisin, sa voisine, et que finalement, c'est peut-être tout autant une source de revenus, voire plus que le salariat véritablement. Est-ce qu'il y a des données là-dessus ? Je ne sais pas si c'est clair. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. C'est tout autant ? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui gagnent leur vie de par ces moyens un peu souterrains, qui ne sont pas forcément déclarés, que par le salariat ? S'il y a des données, je ne sais pas. Par définition, il y a assez peu de données sur les revenus informels. Enfin, de l'économie, qu'on appelle de l'économie informelle. Mais a priori, c'est une question hyper compliquée parce que
Les statistiques sur les ressources des jeunes sont assez complexes. En général, on distingue dans les ressources, dans les statistiques, quand on regarde les ressources des individus et des jeunes en particulier, on distingue les ressources de l'activité. Mais en général, c'est quand même plutôt de l'activité formelle, d'emploi, mais que ça soit n'importe quel type d'emploi, hein, CDI, CDD, intérim, voilà. Les transferts sociaux, donc ce qui vient des politiques sociales de l'État, et puis les transferts familiaux, donc des aidants. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que la grosse majorité des ressources des jeunes entre 18 et 25 ans, c'est des ressources d'activité. Mais c'est ce qui fait aussi que leurs ressources sont faibles, parce que ces ressources d'activité, ils en ont moins que les autres. Que la part des transferts sociaux est plus faible que pour les autres catégories d'âge, et que les transferts familiaux, en fait, même si on met ça beaucoup en avant, ça représente une part infime de leurs ressources chaque mois. Et donc, ce qui crée aussi la pauvreté, de fait. Hein. Mais sur l'informel, je pense, voilà, je pense pas qu'il faille non plus la fantasmer. Enfin, la surestimer. Oui, parce que ça peut être beaucoup de. Enfin, ça peut être des revenus fréquents, mais qui vont être d'un niveau très faible. Donc au final, ça ne va pas poser grand-chose dans l'économie générale d'un foyer de jeunes. Quoi. Mmh. Okay, ça, c'est quelque chose dont vous êtes à peu près sûr qu'a priori, ça ne pèse pas. Tellement. Enfin, c'est juste qu'en fait, on parlait de cases et tout ça. Ouais. Et finalement, comme les données, les référents ont changé, ou en tout cas sont en train de changer, est-ce que finalement, on prend les bons référents finalement? Est-ce que les référents, c'est vraiment de s'attacher au fait qu'il y ait salariat, il y ait transferts sociaux, il y ait... Alors, je suis pas statisticienne, mais en tout cas, quand je lis les publications de l'INSEE, j'ai jamais vu... Pourtant, bon, en général, ils prennent des précautions, etc. J'ai jamais vu de critique de ces statistiques de l'INSEE disant « Oui, mais ça ne prend pas assez en compte les revenus de l'économie informelle. » Voilà, je pense que sur la masse, c'est pas considéré. Mais bon, encore une fois, hein, je suis pas statisticienne, je ne suis pas économiste, donc voilà, c'est vraiment de la seconde main. Toute petite question hyper naïve, est-ce que c'est... Pardon. Je disais juste petite question hyper naïve. Est-ce que ça peut être lié au fait qu'on n'ait pas encore le recul suffisant pour se rendre compte que ça a un poids? Enfin, par exemple, si c'est pas notifié dans les... Alors, en fait, il y a un problème de données, en fait. Il y a très peu de bases de données, d'enquêtes qui regardent en fait ce qui n'est pas transferts sociaux et revenus d'emploi. Et donc c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas beaucoup de données, que c'est difficile en fait de se prononcer là-dessus. Mais je souligne quand même qu'il y a, il y a une des premières bases de données là qui va sortir sur le sujet, qui est faite par l'ADRES, donc d'une direction du ministère des Affaires sociales, et qui est en train de sortir une base de données qui s'appelle Énergie, donc ENRJ, et qui traite des revenus des jeunes. Et donc ils ont été voir les jeunes et ils leur ont demandé d'où viennent vos revenus. Et donc ça prend aussi davantage en compte que ce qui était fait avant, enfin ce qui était fait, les revenus intrafamiliaux et éventuellement donc le travail informel. Et les premières analyses de ces bases de données vont commencer à arriver là cette année. Voilà, donc si vous voulez commencer à regarder ces enquêtes-là. Mais jusqu'à présent, il y avait très peu de données là-dessus. Ok, ben, merci beaucoup. Alors, d'autres questions ? Olivier Gratacap, qui va intervenir tout à l'heure dans la prochaine table ronde. Oui, voilà, bonjour. J'interviendrai dans la prochaine table ronde, mais le domaine que vous avez abordé n'est pas tellement mon domaine, et donc j'avais peut-être une ou deux questions. J'avais entendu, rapidement, c'est toujours sur cette question des revenus des jeunes, et notamment dans un système familialiste, du recours à la solidarité familiale pour compenser des politiques sociales de jeunesse qui sont
telles que vous les avez décrites, parce que vous le faites beaucoup mieux que moi. J'avais entendu qu'effectivement, l'absence de décohabitation et la paupérisation d'un certain nombre de parties de la jeunesse, là où les familles arrivaient à peu près jusqu'ici à compenser, alors les jeunes restaient à la maison, mais ils arrivaient à compenser les difficultés économiques que ces jeunes rencontraient. Aujourd'hui, on arrivait à un phénomène, alors je ne sais pas si je l'ai inventé ou si c'est un on-dit ou je ne sais quoi, donc c'est pour ça que je m'en retourne vers vous. Le fait que les jeunes restent plus longtemps aussi à la maison, ou les phénomènes de décohabitation un peu retardés, a amené une paupérisation carrément de la famille, ce qui fait qu'on avait un effet inverse par rapport à celui qu'on avait vu, une famille qui comblait par solidarité familiale les manques d'une politique sociale pour aider les jeunes à éviter de tomber dans la misère la plus profonde, et où aujourd'hui on avait un phénomène inverse qui était la paupérisation des familles par le fait qu'effectivement les jeunes aussi restaient à la maison, donc on avait finalement l'effet inverse de cette solidarité familiale. Alors je sais pas, voilà, est-ce que j'ai lu ça dans un canard inintéressant quelconque, ou est-ce que ça c'est des choses qui ont été mesurées et voilà, et évaluées? Alors là, j'ai pas d'études qui me viennent directement à l'esprit sur ce phénomène, mais j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est pas étonnant, parce qu'en ce qui concerne la pauvreté, il faut faire vachement attention en fait au problème des statistiques, et quand on parle de pauvreté monétaire, on regarde le ménage. Et donc, c'est notamment ce qui fait que, par exemple, on a, par exemple, des fois des taux de pauvreté étonnamment bas. Mais c'est parce qu'en fait, l'individu, le jeune, n'a pas encore décohabité, vit chez ses parents et est intégré du coup au ménage de ses parents. Et du coup, son revenu est intégré au ménage de la famille. Mais du coup, inversement, si on est dans un pays qui est largement frappé par la pauvreté, comme j'imagine dans les pays du Sud, donc la famille, donc le ménage, dans sa globalité, a une baisse de revenus, bah du coup, si en plus, enfin, il peut y avoir l'effet que du coup, le jeune est considéré être dans un ménage pauvre, et que du coup c'est difficile de voir quel est le lien de causalité. Là, est-ce que c'est le jeune qui fait qu'on est dans un ménage pauvre? Mais ça peut être en partie le cas, dans la mesure où justement on va diviser par le nombre d'unités de consommation du ménage. Donc si on en a un en plus, voilà. Enfin bref, voilà, il y a des effets statistiques qu'il faut prendre en compte, mais après, je pourrais pas. Enfin, là, j'ai pas d'études en tête. Je sais pas si Camille en a aussi. Voilà, je dirais juste ça. Non, mais juste ce qu'on peut dire, ce que moi je vois par exemple à partir des retours qu'on commence à avoir de l'évaluation de la garantie jeune, donc dispositif qui s'adresse à des jeunes pauvres, hein, a priori, quoi, enfin, même si la catégorie est un peu noyée, mais enfin. Donc on en a quand même beaucoup qui vivent dans leur famille, dans des familles elles-mêmes précarisées, parce que la crise faisant son lit d'une certaine manière, bon, ces familles sont dans des économies très, très précaires. Et que, en tout cas, on a des formes d'échanges intrafamiliaux qui vont dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que, mais ça, on voit ça aussi dans les études de sociologie économique, dans les familles de couches populaires. C'est-à-dire qu'on a une gestion globalisée des revenus apportés par chaque membre de nos familles. Et c'est vrai qu'entre 18 et 25 ans, si le jeune est à la maison et qu'il rapporte de temps en temps ses ressources, les revenus de... issus de ses missions d'intérim ou de ses contrats aidés, de ses indemnisations de stage professionnel, de formation professionnelle, de la garantie jeune, etc., ben, c'est mis au pot commun, hein, d'une certaine manière, et, ou alors, du moins, il participe aux frais de la maison, etc. Donc, dès lors que ces dispositifs s'arrêtent, que le jeune sort de ces dispositifs, ne touche plus ses indemnités, etc., ben, la famille, elle accuse le coup, de fait. Et oui, on est dans des économies familiales très, très précaires, au sens de incertaines, quoi. Voilà. Alors, une question par Léa Forest, donc. Moi, je voulais... ça m'a un peu frappée dans le deuxième extrait audio, d'entendre ça m'a frappé en même temps, je sais pas, en tout cas d'entendre dans le premier, d'entendre ce garçon dire les gamins de 13 ans me disent ils seront complètement
enfin, ils rêvent plus, quoi. Ils rêvent plus. Mais après, moi, arrêter d'entendre des enfants qui veulent être footballeurs ou comédiens, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est, enfin, bon, voilà, enfin, c'est des rêves, mais ils en ont plein d'autres. Mais entendre des enfants qui disent je vais être plombier ou électricien, parce que franchement, c'est vraiment ça qui cartonne, c'est aussi un peu étrange. Et du coup, je vais demander à Moussa enfin, j'imagine que de toute façon, vous passez par cette case-là. À quoi tu rêves? C'est quoi ton grand rêve, quoi? Ton grand objectif? Ou est-ce qu'on a complètement arrêté de parler ces choses-là et qu'il faut vraiment juste manger demain? Moi, je pense que c'est pas du tout le projet de votre association. Mais enfin voilà, à quoi ils rêvent? Est-ce qu'il reste des rêves? Je pense que oui. Bah, à quoi ils rêvent? Je ne pourrais pas vous dire à quoi ils rêvent, je ne suis pas dans leur tête. Mais moi, les jeunes, quand on essaie de les accompagner, nous, dès le collège, en fait, on s'est rendu compte que quand on parlait un peu avec eux de leur avenir professionnel, ils n'avaient pas tant d'idées que ça. Certains avaient plein d'idées, d'autres pas et tout. Mais ça compte beaucoup parce qu'ils font un stage d'une semaine de découverte. Dès le collège, nous, la plupart des jeunes ou leurs familles ont des difficultés à les placer dans des stages, n'ont pas forcément un réseau, vont se retrouver soit sans stage, soit ils vont faire un stage à l'hypermarché du coin ou à l'épicerie du coin. Et finalement, très tôt, ils vont être dégoûtés du monde du travail. Donc nous, on a mis une action en place, ça fait un moment, où soit on les prend directement en stage avec nous et on les fait participer à certains ateliers, ils viennent avec nous aussi dans nos projets, ou soit on arrive à les accompagner, à les faire un stage dans une entreprise pendant une semaine, mais pendant un jour, ils vont être avec le responsable de l'entreprise ou de la direction pour leur expliquer un petit peu leur parcours, comment ils ont commencé, etc. Vraiment des histoires où des gens, ils ont un parcours peu conventionnel et finalement, ils ont réussi à être dirigeants d'entreprise ou responsables de leur entreprise. Donc voilà, les rêves, après, ça dépend. Nous, c'est vrai, quand on était plus jeunes, on avait certains rêves. Moi, je dis souvent, moi, ce que je voulais devenir maçon quand j'étais plus petit. Parce que voilà, j'avais des références, des personnes autour de moi qui, un jour, je les ai vus travailler dans la maçonnerie, ils m'ont expliqué leur travail. Le fait de m'expliquer un peu leur travail, tout petit, je voulais tout le temps, à chaque fois, on me demandait, je dis, je veux devenir maçon. Mais finalement, voilà, après, les rêves des jeunes, c'est à nous aussi d'essayer de leur montrer plusieurs possibilités, de dire, voilà, c'est possible pour qu'ils aussi, ils ont une vision et ils ont des rêves, quoi. Mais je pense que certains d'entre eux, ils en ont. Et parfois, c'est d'être journaliste. La dernière fois, j'étais dans une classe de collège où je faisais un petit tour de table avec les jeunes. Je disais, moi, je vais être cuisinier. L'autre, je vais être journaliste. L'autre, je vais être agent sportif, etc. Donc, il y a des petits rêves et tout. Après, il faut savoir les accompagner pour qu'ils puissent au mieux les concrétiser, de les accompagner. Mais c'est vrai que le stage découverte au collège, ça joue beaucoup. Parce que déjà, c'est leur premier contact avec le monde du travail pour eux. Et c'est l'étape charnière, quoi. Et là, il ne faut pas se louper. Ouais. J'aimerais juste répondre. Je n'ai pas d'études scientifiques. Mmh. Je ne suis pas chercheuse. Mmh. Mais j'avais fait une série de reportages et à iTélé et à France 2 quand je travaillais pour ces deux médias-là sur le passage de l'école au travail. Et en fait, j'avais recueilli des témoignages, mais très très difficile, de jeunes qui me disaient, mais c'était dans le 93 en Seine-Saint-Denis, qui me disaient, mais nous on rêve plus en fait, parce qu'en fait on nous laisse pas la possibilité de rêver. À l'école on nous dit il faut être pragmatique, il faut être concret, il faut d'abord savoir très vite ce que tu veux faire, et puis vaut mieux pour toi la formation professionnelle parce qu'il y aura un boulot à la clé derrière. Je pense, après, à partir de ce moment-là que j'ai passé, de cette expérience-là de témoignage, en tout cas pour ces jeunes-là, il y a une responsabilité très forte de l'éducation nationale sur le discours qui est formulé à l'endroit de ces jeunes sur le placement après l'école, qu'est-ce qui est possible de faire, sans parler du discours médiatique où vous voyez bien un peu la petite musique
moi je trouve en ce moment, c'est il faut en gros se rapprocher du modèle allemand, faire en sorte de placer un maximum de jeunes dans les formations qualifiantes, parce que c'est sûr qu'il y a du travail. Et je pense qu'il y a vraiment une petite musique en France. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ça participe aussi de ça et de la raison pour laquelle ces jeunes que j'ai rencontrés nous répondaient ça. Mais on n'a plus le droit de rêver. On pense qu'on n'a pas le droit de rêver aujourd'hui et qu'il faut être, pragmatique, il faut être concret, quoi. Et pour prolonger ce que tu dis, Nassira, sur le fait de... Quand c'est Mohamed donc, qui disait dans le son, en effet, les jeunes, ils sont réveillés dans leur tête. Ça veut dire, justement, on leur dit tellement qu'il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut que... Et pour intervenir parfois aussi dans des lycées, pour des petits ateliers radio et tout ça, ça m'a marqué récemment, dans plusieurs classes, donc plutôt de lycée, où ils doivent réfléchir à ce qu'ils vont faire. On leur demande toujours, donc je sais avec une amie de la radio, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, hein. Et le tour de table, en fait, ils disaient, ah, bah, moi je vais faire G, M, C, I. Enfin, en fait, c'est même plus des mots, c'est des espèces de je ne les connais pas, donc je dis n'importe quoi, mais d'initiales, de filières, de trucs, tu vois. Et sur 20, il y en avait deux où c'était, tu vois, des noms de métiers, enfin, des mots en entier qu'on comprenait, tu vois, ou, que ce soit en effet maçon ou footballeur, peu importe, mais juste une... Parce que tu es déjà très vieille, en fait. Ouais. Déjà trop vieille, Aurélie. Non, mais tu vois, et quand tu leur demandes d'expliquer, tu comprends encore moins, parce que c'est genre gestion communicationnelle de je sais pas quoi, enfin bon. Et en fait, parce que c'est ce qu'ils doivent cocher sur l'ordinateur de je sais pas, d'après le bac... Et c'est quand même fou, quoi, parce que on en est à qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est même plus un mot, quoi. C'est des initiales d'un truc, et en plus, quand tu creuses un peu, c'est assez rare, il y en a peut-être un ou deux qui voulaient vraiment faire ça et ça leur plaît, mais souvent ils savent à peine à quoi ça correspond vraiment. Et c'est vrai que on permet plus forcément de rêver, quoi. Enfin, il faut être réaliste et il faut pas se tromper. On va prendre trois petites questions et je vous remercie d'être très très concis dans les réponses parce qu'on a décalé par rapport au programme et donc voilà, je vais passer le micro pour les questions et donc je vous remercie d'avance. Bonjour à tous, Hakim Soudjaï, contributeur à la ZEP et ancien volontaire à Unicité. Donc pour le coup, c'est à la fois une question et une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Et ça va faire un lien du coup avec le message d'optimisme dont parlait Moussa Camara dans son intervention. Rapidement, je pense qu'il faut qu'on cesse ou qu'on arrête de penser la jeunesse des quartiers populaires uniquement en termes de jeunes qu'on devrait aider de l'extérieur, à qui l'État devrait apporter une aide. Et je pense qu'il est temps qu'on se rende compte qu'à l'intérieur de nos quartiers, on a des jeunes ou des adultes qui ont sont des ressources et qui peuvent apporter énormément aux jeunes des quartiers. Dans mon quartier, à moi, où j'ai grandi dans le Nord, je pourrais vous citer toute une liste de personnes... D'où vous venez ? De Dunkerque, d'un quartier populaire de Dunkerque, dans le Nord. Et donc toute une liste de personnes qui ont accédé à des postes très honorables et qui ont fait qui ont eu de très beaux parcours et qui pourraient redonner beaucoup aux jeunes qu'on voit traîner en bas dans notre quartier. Et donc, est-ce que, quand on voit que depuis 30 ans, les politiques publiques peinent à avoir un impact sur les quartiers populaires, est-ce que la solution, elle ne viendrait pas de ces jeunes-là qui ont des parcours de réussite formidables, qui rêvent énormément et qui connaissent mieux le terrain que quiconque? Est-ce que ce n'est pas ça la solution, enfin, une des parties de la solution au problème de notre jeunesse, le quartier au final? Ouais, moi, j'aurais juste un truc à dire, c'est... Attention le micro. Pardon. Je pense aussi qu'il faut réfléchir à comment aider les jeunes, comment accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves, à rentrer dans la société, à avoir un emploi, etc. Et donc ça, par quelques moyens, et notamment par des formes de parrainage aussi. Moi, c'est un peu ça que j'entends. Mais je pense aussi qu'il faut, il faudrait penser à aider la société, quoi, qui les accueille, à aider les recruteurs, eux aussi, il faut les accompagner. Parce que
même quand, dans le type d'action que vous évoquez, c'est quand même toujours l'idée que l'incapacité, l'incompétence, les handicaps, ils sont du côté des nouveaux entrants, voilà, de ceux qui sont au chômage. Et voilà, et cette réflexion, elle vaut pour les jeunes, mais elle vaut pour tous ceux qui sont un peu aux marges. Mais je pense que voilà, il faut aussi tourner son regard vers ceux qui sont en place, quoi, voilà, de tout point de vue. Donc, on peut retourner le spectre. Et moi, j'ai envie de vous répondre. Deux, trois modèles de réussite ne font pas une réussite collective, oui, malheureusement. On en a plein des exemples de gens autour de nous qui réussissent, mais ça ne suffit pas pour rattraper les autres. Et ceux qui sont à la marge, il faut bien les aider. Et il n'y a que l'État qui peut le faire, collectivement parlant. Donc, pour moi, ça ne peut pas être un effet de substitution. Il faut que ça existe parce que c'est une locomotive et que ça montre que c'est possible pour les individualités. Mais ça ne peut pas se substituer. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je ne pense pas que ça puisse se substituer à l'État. D'abord parce que financièrement, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça peut être possible. Quoi. Juste en 30 secondes. Je suis d'accord, en fait, j'ai mal posé ma réflexion. C'est pas, je suis pas contre, bien sûr, le fait que l'État intervienne dans les quartiers. Mais voilà, c'est pas deux ou trois modèles de réussite que j'ai en tête, c'est des dizaines, voire des centaines. Oui, bien sûr, non, mais quand je dis deux ou trois, c'est à l'échelle de chacun. Oui, bien sûr. Autour de moi, dans mon quartier, peut-être des dizaines de personnes qui pourraient vraiment. Donc, il faudrait vraiment creuser sur ce sujet. Oui, bien sûr. Mais moi, je te rejoins parfaitement et je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il faut repenser le modèle. Aujourd'hui, il y a des tas de politiques qui sont menées en direction de cette jeunesse qui vient de ces quartiers-là, qui sont faits par des chercheurs, des politiques, mais qui ne sont pas faits avec les gens du terrain, des technocrates. Et finalement, moi, je suis... À un moment donné, quand Nelson Mandela disait « faire pour moi, sans moi, c'est faire contre moi ». Donc, l'idée, je te rejoins parfaitement, c'est tant qu'on n'aura pas construit que pour réussir dans un quartier populaire ou avec une jeunesse ou dans tous les domaines, il faut co-construire ensemble, il faut travailler ensemble, parce que c'est que comme ça qu'on réussira ensemble. Et voilà, à un moment donné, je pense que les politiques qui sont menées, ils ne sont pas pensées pour les gens qui vont en bénéficier, mais ils sont pensés en petit comité. Finalement, on en voit, et depuis 40 ans, c'est des échecs sur échecs, échecs sur échecs. Donc voilà, nous, en tant que jeunes, en tant qu'habitants de ces quartiers-là, c'est à nous de repenser le modèle de co-construction et de collaboration qu'on veut faire. C'est des partenariats et des collaborations sans paternalisme, sans condescendance, mais vraiment des partenariats d'égal à égal où chacun s'apporte. Et je pense que quand dans notre société aura compris ce mode de fonctionnement dans différents domaines, je pense que là, on pourra avancer beaucoup plus vite. Mais il y a plein de démarches de cette manière qui ont été mises en place. Par exemple, Mohamed... Par exemple, Mohamed Meshmash de Assez le Feu à Clichy, il l'a initié juste après les émeutes. Il y a énormément de démarches qui ont été mises en place de co-gestion, de co-construction dans les villes de banlieue parisienne. En tout cas, c'est ce que je connais le plus. Donc ça existe, oui. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter là. Mais il y a une deuxième table ronde tout à l'heure et... Voilà, j'espère que les questions seront nombreuses à ce moment-là. Mais là, je vais laisser la parole à Marion pour présenter notre prochaine intervenant. Merci.